Monsieur le conseiller fédéral, Madame la présidente du Conseil d'État, Mesdames et messieurs les conseillères et conseillers d'État, Madame la présidente du Grand Conseil, Mesdames et messieurs les conseillères et conseillers nationaux, Madame la conseillère aux États et Monsieur le conseiller aux États, Mesdames et messieurs les députés du Grand Conseil, Monsieur le chancelier d'État, Mesdames et messieurs les recteurs, vice-rectrices et vice-recteurs des universités de Genève et de Neuchâtel, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente et Messieurs les Vice-Présidents de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Madame la Rectrice de la HESSO et Mesdames et Messieurs les Rectrices et Recteurs de la Haute École de Santé, de la Haute École de Travail Social et de la Santé, ainsi que de l'École d'Ingénieurs de Changin, Monsieur le Directeur et Monsieur le Directeur Adjoint du CHUV, Madame la vice-rectrice et messieurs les vice-recteurs de l'Université de Lausanne, ainsi que messieurs les doyens des facultés de l'Université de Lausanne, messieurs les présidents du Fonds national suisse de la recherche scientifique, du Conseil suisse de la science et de l'Académie suisse des sciences techniques, monsieur le vice-président de Swiss Universities, monsieur le secrétaire général de la CUSO, Mesdames et messieurs les représentants des autorités et organes académiques suisses, Mesdames et messieurs les syndics d'Écublanc, d'Épalinges, d'Yverdon et d'Yvorne, Madame la conseillère municipale et Monsieur le conseiller municipal de Lausanne, Madame la directrice générale de l'enseignement supérieur et Mesdames et messieurs les chefs de service et membres de l'administration et de la police cantonale vaudoise, Messieurs les directeurs de la SSR et de la RTS, Mesdames et messieurs les représentants des médias, Monsieur le Président de la Banque cantonale vaudoise, Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil d'administration de Biopôle, Monsieur le Président de la Société vaudoise de médecine, Monsieur le Vice-Président du Centre patronal, Messieurs les directeurs de l'Office du tourisme vaudois et de Lausanne Tourisme, Monsieur le directeur général de la Maison du sport international, Monsieur le directeur adjoint de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, Mesdames et messieurs les présidentes et présidents ou directeurs des fondations Lennart, BCV, Pour l'UNIL, La Science appelle les jeunes, Jean Monnet pour l'Europe et Loterie romande, ainsi que de la Société académique vaudoise, Mesdames et messieurs les enseignantes et enseignants de l'Université de Lausanne, les scientifiques, les étudiantes et les étudiants de l'Université de Lausanne, ainsi que chefs de service et collaboratrices et collaborateurs de l'Université de Lausanne, Mesdames et messieurs les alumni, chers invités, chers amis de l'UNIL et de Jacques Dubochet. Bienvenue à l'Université de Lausanne. Nous nous réjouissons énormément. Avant de commencer ces salutations, j'ai pensé que je n'aurais pas une deuxième occasion d'en avoir de si longues. Bienvenue donc à l'Université de Lausanne. Nous nous réjouissons énormément de vous avoir parmi nous ce soir. Nous célébrons le professeur Jacques Dubochet, qui, avec ses collègues Joachim Frank de l'Université de Columbia à New York et Richard Henderson du laboratoire de biologie moléculaire de Cambridge en Grande-Bretagne, a gagné le prix Nobel 2017 de chimie pour ses travaux sur la cryomicroscopie électronique. Pour commencer, nous allons regarder un petit film qui relate l'histoire de Dorigny à Stockholm. Voilà, je vous invite à regarder le film. C'est le personnage du jour. Le vaudois Jacques Dubochet accède d'un seul coup à la gloire mondiale avec l'américain Joachim Frank et avec le britannique Richard Henderson. Le voici, prix Nobel de chimie. C'est la récompense d'une découverte qui ont marqué l'histoire des sciences. Un accueil digne d'une star et une fête à la hauteur de l'événement. Jacques Dubochet retrouve l'université de Lausanne où il a enseigné pendant près de 20 ans. Vous comprenez que dans un moment comme ça,
Le sentiment qui s'impose, c'est une très grande reconnaissance. Ils sont sympas, Stockholm. Ça, c'est vrai. Professeur Dubochet, tout premier sentiment, c'était quoi? Écoutez, c'était une sorte de soulagement. Moi, depuis gamin, je voulais devenir un scientifique. Et être un scientifique, ça veut dire comprendre la nature et le faire savoir. Une semaine de folie à Stockholm. Jacques Dubochet vient chercher son prix dans la capitale suédoise. Devant le Grand Hôtel, il est assailli par les chasseurs d'autographes. À l'université de Stockholm, plus de 1000 personnes assistent à son cours magistral. We scientists must come out of our ivory tower and be involved in the society for which we produce knowledge. Knowledge is our common good, and we must make out of it the best for the well-being of all, now and for future generations. C'est la tradition, tous les lauréats doivent passer chez le tailleur. Queue de pie et souliers vernis obligatoires pour la grande cérémonie en présence du roi. Oh là, je me trouve très beau. Le sacre de Jacques Dubochet, le Vaudois, vient de recevoir à Stockholm le prix Nobel de chimie. La fameuse médaille lui a été remise par le roi de Suède, Charles XVI, Gustave. Il est le cinquième roman à être nobilisé, le 28e Suisse, parmi lesquels un certain Albert Einstein ou encore Henri Dunant. Vous l'avez compris, il s'agit de Jacques Dubochet. Et je vais maintenant passer le témoin à Madame Randin, qui va orchestrer cette cérémonie. Merci beaucoup, merci Madame la Rectrice. Bravo, bravo Jacques Dubochet, magnifique standing ovation. Mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir de partager cette soirée exceptionnelle avec vous, cette consécration folle, extraordinaire. Nous célébrons ce soir une vedette planétaire de la science, une découverte fabuleuse aussi dans l'histoire scientifique, et nous célébrons une très belle personne, modeste, chaleureuse et altruiste. Vous allez le découvrir. Il y aura ce soir des discours, une expérience scientifique pour vous. Il y aura aussi des films. Mais tout d'abord, je vous propose que nous fassions connaissance avec Jacques Dubochet. Alors, je dois vous le dire, nous connaissons déjà. J'ai eu le grand plaisir d'accompagner Jacques à Stockholm au mois de décembre. C'était en tant que journaliste à RTS pour le téléjournal et pour Mise au point. Mais maintenant, j'aimerais vous demander, Jacques, quel est le moment le plus fou, le souvenir absolument fort que vous gardez de cette semaine à Stockholm du 5 au 15 décembre? C'est compliqué. C'est une semaine inhabituelle, énormément inhabituelle. Et
le moment le plus fort, ou les moments les plus forts, c'est cette rencontre avec notre attaché. C'est une personne de la délégation de la... Fondation Nobel? Non, justement pas. C'est donc du... Une diplomate, merci. Et cette diplomate nous accompagnait, m'accompagnait pour m'aider dans tout coin. Et au fait, c'est avec cette personne que nous, ma femme et moi, avons pu établir des vraies relations d'amitié. Vous comprenez, le souper avec la reine d'un côté et sa fille de l'autre, ça aurait pu être difficile. C'était facile parce que ils ont de la dyslexie dans la famille, moi j'en ai, alors on a parlé dyslexie, ça allait. Mais vous avez rencontré une magnifique personne qui était votre ange gardien. Oui, absolument. Oui. Mais je me permets une remarque maintenant qui me vient. Hein. Tout à l'heure, j'ai eu une standing ovation. Hein. Magnifique. C'est tout très impressionnant. C'est très, très touchant. C'est la deuxième. L'autre fois, c'était dans un meeting, dans un très spécialisé sur la structure de l'ADN, et presque toutes les personnes qui étaient là étaient déjà des computers, qui faisaient de la simulation. Et ils étaient tous fatigués de stimulation. Et nous, on a pu leur montrer, c'était au début de la cryomicroscopie, et on leur montrait l'ADN flottant dans l'eau. Et ça a été un soulagement, un relief aussi pour tous ces gens qui faisaient de la simulation à l'ordinateur, d'en voir, ah ben c'est vraiment comme ça. Voilà, alors ils sont levés, et c'était ma standing ovation. Magnifique, et c'était où? C'était aux États-Unis, c'était en Europe? C'était aux États-Unis, je ne me rappelle plus où. D'accord, très bien. Oui. Vous avez vécu une semaine très particulière, avec beaucoup de décorum, protocole, queue de pie le roi, c'est pas tellement votre style, hein, d'habitude. Est-ce qu'on s'y fait, à ce protocole? Non. Non. Je disais tout à l'heure, on s'y fait, mais ce n'est pas trop grave. Je dois dire qu'aujourd'hui, parce que c'est des gens que je connais, parce que c'est mes gens qui sont là, c'est plus fort. Oui. Très bien. C'est une façon de vous dire merci d'être venus si nombreux ce soir. Il faut peut-être le rappeler, la cérémonie des Nobel a toujours lieu le 10 décembre parce que c'est le jour de la mort d'Alfred Nobel, le milliardaire suédois, inventeur de la dynamite, qui a légué sa fortune à la science, mais aussi pour le bien de l'humanité. Pour lui, c'était important de récompenser non pas seulement des découvertes scientifiques, mais des découvertes qui amènent un progrès pour l'humanité. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous touche, cet aspect-là du prix ? On en reparlera, oui. Oui, oui, voilà. Très bien. Rappelons peut-être aussi le 4 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé le 4 octobre? Un coup de téléphone de la Fondation Nobel pour vous annoncer que vous étiez le lauréat du prix de chimie 2017. Racontez-nous ce jour très particulier. Alors ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a dans le bâtiment Biofort, là, un très joli endroit où on m'a conservé un petit bout de bureau. J'y suis là-bas avec des étudiants, des doctorants et des post-docs. Je n'étais pas là-bas, mais le téléphone a sonné sur ma table. Ils insistaient. Normalement, ils ne prennent pas, mais comme ils insistaient beaucoup, ils ont pris. C'est quoi? Ah, très... Non, il n'est pas là. Non. Non, je ne sais pas où il est. Ah, c'est très... Oh! Et on lui aura dit que c'était le prix Nobel et qu'il fallait qu'il se bouge. Il a fallu 20 minutes pour nous appeler à la maison. Et puis là, c'est ma femme qui a pris le téléphone. Et puis voilà. Donc finalement, l'université était au courant avant 20 minutes avant nous, oui. Très bien. Vous accédez, Jacques, au Panthéon de la science. Vous rejoignez des personnalités aussi célèbres que Henri Dunant, Marie Curie, Einstein. La dernière fois que la Suisse romande, qu'un Suisse roman a reçu un prix, c'était il y a 60 ans. Daniel Beauvais, 1957, prix Nobel de médecine pour ses recherches en anesthésie. Est-ce qu'on peut dire que le prix Nobel est peut-être pas le prix le mieux doté en argent, mais assurément le prix scientifique le plus prestigieux? Ah oui, ça on peut le dire. Ce n'est pas évident de comprendre pourquoi. Parce que comme vous dites, il y en a qui rapportent plus d'argent. Mais oui, c'est une question que nous nous sommes beaucoup posée et que tous les Nobel qui vont à Stockholm se posent. Mais pourquoi? Alors certainement le décorum joue un rôle.
Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est l'engagement de la Suède. Et tous les gens de la Suède, enfin, pas tous, mais beaucoup jouent le jeu. Mais il faut dire que les Suisses aussi. Hein. Et ça me touche beaucoup, hein, de voir tous ces messages, ces innombrables messages de gentillesse. Vous en avez reçu des centaines, des milliers. 1500. 1500 messages. Oui, sous une forme ou sous une autre. Oui, pas mal. Hein. Pas mal. Chaque année, 5 prix Nobel sont décernés à Stockholm. Un est décerné à Oslo, c'est le prix Nobel de la paix. Vous, vous avez côtoyé pendant une semaine ces lauréats du prix Nobel de médecine, de physique, d'économie, de littérature, de chimie. C'était les lauréats avec vous. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Qu'est-ce qui vous a frappé durant cette semaine que vous avez partagé avec eux? Oui, comme je vous ai dit, ce n'est pas le meilleur endroit pour faire des copains. Toutefois, quand même, avec Ishiguro, c'est le prix Nobel de littérature, on s'est trouvé en très agréable harmonie. Peut-être parce qu'il a une fille qui a les mêmes préoccupations, les mêmes intérêts que notre fille. Bon, très sympathique, c'est un homme remarquable. Et puis, à part ça, scientifiquement, moi, je suis effaré par l'histoire des ondes de gravitation et d'être avec ces gens qui... Vous voyez, nous, notre recherche, c'était 35 ans. Il y a eu un départ dont je vais parler, le départ qui a mis tout en route. Et puis ensuite, 35 ans de progrès. Puis chaque quelques années, on était un peu plus loin. Et chaque fois, on était content d'avoir fait un petit bout. Tandis que eux, ils visaient un but impossible dans une fois, et tant qu'ils n'avaient pas le but, ils n'avaient rien. C'est quand même fort comme recherche. Et ils ont 50 ans, et puis après 50 ans de travail, M. Reimer Weiss reçoit son prix Nobel pour avoir réussi son truc. Dites-nous, comment est-ce que ce prix a bouleversé votre vie? Est-ce que le regard des autres est différent? Est-ce que votre vie a totalement changé depuis le 4 octobre? Totalement, j'espère pas, naturellement. Forcément, elle a changé, mais vous voyez, une situation comme cela, ça touche, c'est important, ça, on peut pas faire l'impasse. Au début, il m'énervait beaucoup, ces selfies tout le temps, ces gens qui veulent... Et ça m'énervait beaucoup, d'ailleurs encore maintenant. Mais maintenant, et puis... Les beaucoup de gens qui calmer. Arrivent, qui vous arrivent dessus, qui vous disent « Oh, monsieur, monsieur, monsieur !» Maintenant, de plus en plus, je me promène à Morges et je croise une personne qui me regarde, qui fait un agréable sourire. Voilà, juste comme vous, comme ça, un regard tout simple. Et puis, c'est sympathique, ça, voilà, puis on passe. Hein? Dernière question. Nous avons derrière nous un décor assez particulier, un dessin graphique que notre public va voir durant toute la cérémonie. J'aimerais que vous nous donniez quelques indications sur qu'est-ce que représentent ces petits points derrière nous. Oui, ça c'est quelque chose de passionnant. Ce sont des virus. Des virus qui ont été mis en désordre dans une très mince couche d'eau. Et dans cette couche d'eau, ils sont encore mobiles. Et pendant une seconde environ, ils ont l'occasion de chercher comment on s'organise entre eux, comment ils trouvent. Regardez cette harmonie qu'ils trouvent. Si on attendait 2 minutes de plus, ils auraient... Oh, ce serait un gros cristal, probablement. Mais voilà, ça, c'est le début d'une harmonie structurale. Très bien, ça me paraissait important que notre public le sache. Oui. Jacques, merci beaucoup. On va évidemment vous retrouver tout à l'heure. Un tout petit peu. On vous laisse rejoindre votre place. Merci. Et nous allons, mesdames et messieurs, entendre maintenant... C'était effectivement une belle entrée en matière. Mesdames et messieurs, nous allons entendre les discours de Jean-Daniel Tissot, doyen et directeur de la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne. Nous allons entendre Nouria Hernandez, rectrice de l'Université de Lausanne, et Cesla Amarel, conseillère d'État du canton de Vaud, responsable du département de la formation, de la jeunesse et de la culture. Monsieur Tissot, c'est à vous. «
Bonsoir, Madame Dubochet, Jacques Dubochet, chers amis. J'ai le privilège d'ouvrir les feux de cette partie redoutée pour vous tous de cette soirée, celle des discours. Exercice difficile pour moi et certainement redouté pour vous, j'imagine, d'autant que la soirée est censée être festive. Donc je vais tenter, et ce n'est pas facile pour moi, d'être concis et efficace. En tant que doyen, je vais vous parler de la faculté de biologie et de médecine que l'on connaît sous le nom de FBM. Une faculté originale, quasi inédite, dont Jacques Dubochet, notre moins original prix Nobel, fait partie en tant que professeur honoraire. La FBM, c'est un paradoxe, parce que c'est en même temps une jeune faculté, sa création remonte à 2003, et c'est une vieille faculté, puisque son histoire remonte à l'Académie de Lausanne. En effet, c'est en 1806 que le Conseil d'État organise son académie en 14 chaires, dont 2 de médecine et 4 de sciences, pour les matières qui nous intéressent ici. Mais l'histoire des institutions n'est pas qu'affaire de structure. C'est aussi une affaire de personnes. La médecine et la biologie à Lausanne, ce sont beaucoup de noms marquants, qui marquent d'ailleurs plusieurs rues de la ville. Il y a Auguste Tissot, bien sûr, avec lequel je n'ai aucun lien de parenté, je le précise, surnommé le médecin des princes et le prince des médecins. Il y a aussi Mathias Mayor, Marc Dufour, César Roux, Charlotte Olivier et Jules Gonin. Mais revenons au XXIe siècle. En 2003, lors du mariage de la biologie et de la médecine au sein d'une même faculté. Autant le dire, la FBM est un animal rare. Seules quelques universités nord-américaines ont fait ce pari, suivi en 2016 par Manchester. C'est même tellement rare qu'on peut se demander si, effectivement, nous n'avons pas fait une boulette. Car marier deux disciplines avec des domaines d'études, des méthodes analytiques, des finalités aussi différentes, crée parfois des tensions. La vaisselle vole, ou plutôt les séquenceurs. Certains feraient bien de la friture avec les zèbres à fiche ou mettraient le H-index à l'index, justement. Parfois, ce sont les médecins qui sont de vrais fondamentalistes et il est vrai qu'il y a quelques cas cliniques chez les biologistes. Toutefois, je reprendrai un mot entendu récemment. La FBM a été engendrée par des parents optimistes. Malgré quelques maladies de jeunesse, l'enfant se porte bien. De plus en plus de collaborations, de projets se montent à l'intersection des disciplines. Un bouillon de culture encore enrichi en 2007 avec l'arrivée des sciences infirmières de l'IUFRS, Institut universitaire de formation et recherche en soins. Aujourd'hui, la faculté de biologie et médecine est un formidable potentiel qu'on peut représenter sous la forme de 2 cercles. Ces 2 cercles sont concentriques. Le premier comprend les soins. Le second, qui englobe le premier, comprend le vivant, ou plutôt, devrais-je dire, cherche à comprendre le vivant, des plantes à l'être humain. Le vivant, mais aussi le mort, puisque la faculté de biologie et médecine inclut la médecine légale. Et ces 2 cercles sont compris dans un cercle plus grand, l'université avec les autres facultés. Car la médecine, la biologie ne sont que des facettes de notre monde, et dans une vision inter ou transdisciplinaire, la faculté de biologie et médecine veut encourager les collaborations, jeter des ponts, susciter des idées nouvelles. Il faut du courage, de l'audace pour inventer, un brin de fantaisie peut-être aussi. Il y a une grande dose d'incertitude dans toute grande découverte, avec ou sans majuscule. Découvrir, inventer, c'est pointer une zone obscure de la carte et dire « il doit y avoir quelque chose ». De même, il est difficile de pouvoir prévoir la postérité d'une invention. Je citerai Francis Bacon, « Les Indes occidentales n'auraient jamais été découvertes si l'usage de la boussole n'avait pas d'abord été découvert, bien que l'une soit une vaste région et l'autre un petit mouvement. » Une volonté forte de la direction de l'université, partagée par le décanat de notre faculté, est de mettre l'institution académique au service de la population, mais aussi, et c'est ce qui fait le moteur de nos chercheurs, que l'on appelait savants autrefois,
c'est de faire de la science, de la pousser aux frontières des savoirs, à leurs limites, et de les repousser sans cesse. Mais comme le disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Certainement, Jacques Dubochet est un héros rabelaisien. Il est science et conscience, pour l'édification de nos âmes, âmes raisonnables, comme l'écrivait Descartes. Voilà, j'arrive au terme de mon allocution. Je vous terminerai en livrant mon rêve de doyen. Qu'il soit possible de cloner des Dubochet, des chercheurs qui allient ces doubles compétences de savoir et d'humanisme avec, et c'est encore mieux, une pointe de malice. Nous y travaillons à l'AFBN. Mais il semblerait que Jacques Dubochet soit inimitable. Heureusement peut-être. Merci. J'aimerais remercier le doyen Tissot pour sa description de la faculté de biologie et de médecine. Il faut peut-être que je vous dise que M. Tissot est médecin et que je suis biologiste. Donc pour moi, il y a en fait une grande logique à combiner biologie et médecine. Si on définit cette faculté comme une faculté qui se préoccupe du bien-être de l'homme, en partant de problématiques telles que la qualité de l'environnement, et ça, je le rappelle, ça inclut la diversité biologique, sans laquelle la vie n'est pas possible. Il suffit de penser au cycle du carbone. Qualité de l'environnement, donc, en passant par la problématique de la compréhension des mécanismes du vivant, puis par celle des dérèglements qui mènent aux maladies, pour arriver finalement à l'art de soigner les maladies. Donc on passe de la biologie à la médecine dans un continuum absolument parfait. Pour mener à bien ces missions, la faculté de biologie et de médecine, comme le reste de l'université, s'appuie sur la recherche. Une recherche qui couvre un large spectre, non seulement un large spectre de domaines, mais aussi un large spectre de buts. Parce qu'il y a plusieurs types de recherche à l'université et à la faculté de biologie et de médecine. Il y a la recherche dite translationnelle, ou relativement directement appliquée, qui est possible parce qu'elle s'appuie sur un large socle de connaissances déjà acquises et qui fournit des résultats tangibles, en d'autres termes, des résultats qui sont utiles à quelqu'un. Et puis, il y a la recherche uniquement guidée par la curiosité du chercheur, par son désir de comprendre. C'est à propos de celle-là qu'on entend souvent « Dans le fond, ça sert à quoi tout ça ?» Alors, comment pourrait-on qualifier la recherche que Jacques Dubochet a menée il y a plus de 30 ans au Laboratoire européen de biologie moléculaire à Heidelberg? En fait, je pense qu'il s'agit encore d'autre chose, parce que ce que M. Dubochet essayait de faire, c'était une recherche avec un but de développer ou, dans son cas aussi, d'améliorer une méthode. Et curieusement, c'est ce genre de recherche qui est souvent le plus difficile à financer, en tout cas dans le domaine de la biologie. Et pourtant, il y a eu pléthore de prix Nobel en physiologie et médecine, ou en chimie, qui ont été attribués pour des développements de technologies. Par exemple, pour l'invention des méthodes de séquençage de l'ADN, pour l'imagerie par résonance magnétique, ou encore pour la méthode qui permet d'amplifier des morceaux d'ADN des millions, voire des milliards de fois. L'attribution de ces prix Nobel pour ces techniques souligne que le développement de méthodes a en fait de très grosses conséquences, puisque ces méthodes ouvrent souvent des champs entiers d'investigation aux chercheurs, champs qui leur étaient auparavant inaccessibles. Et comme vous le verrez, je pense, de la conférence de M. Dubochet, c'est exactement ce que la cryomicroscopie électronique a fait. D'où l'importance, sur laquelle on n'insistera jamais assez, d'offrir aux chercheurs un financement de base stable, sur lequel ils peuvent compter année après année, et avec lequel ils peuvent explorer leurs idées un peu folles ou leurs envies de développer une méthode. Ceci en complément des fonds de recherche compétitifs qui financent un autre type de recherche, le type dont on peut prévoir avec plus ou moins de certitude qu'il mènera à un avancement de la connaissance
à des résultats, donc à des publications, à relativement court terme. À l'UNIL et dans les autres écoles universitaires de Suisse en général, nous avons la chance énorme de pouvoir bénéficier de ces deux types de financement. C'est quelque chose d'infiniment précieux, c'est quelque chose qu'il nous faut absolument préserver. Et c'est quelque chose qui a été reconnu de façon réitérée par l'attribution de prix Nobel à des chercheurs travaillant en Suisse et qui le sera, j'en suis sûre, encore à l'avenir. J'aimerais terminer en disant quelques mots sur Jacques Dubochet. En 2017, l'Université de Lausanne a eu une chance extraordinaire, mais ceci pour deux raisons. La première est qu'un de ses professeurs a gagné le prix Nobel. La deuxième, c'est que ce professeur, c'est Jacques Dubochet. Ainsi, Jacques a fait rayonner l'Université de Lausanne, non seulement par le prix qu'il a gagné, mais aussi par sa magnifique personnalité dont vous avez eu un exemple juste avant. Il incarne le chercheur curieux et passionné, enthousiaste et optimiste. Il a de l'humour. Ainsi, sa déclaration comme quoi il a été le premier dyslexique officiel du canton de Vaud, déclaration amusante dans sa formulation, mais ô combien sérieuse dans son message pour tous les enfants et tous les adultes d'ailleurs qui sont dyslexiques. Monsieur Dubochet a des convictions, et ce sont des convictions généreuses. Il est un parfait ambassadeur pour la science, pour la recherche éthique et pour la formation. Et pour tout ça, je le remercie. Et j'aimerais maintenant inviter Madame la conseillère d'État Cesla Amarel, à la tête du département de la formation de la jeunesse et de la culture, en d'autres termes, notre conseillère fédérale, à prononcer son discours. Monsieur le conseiller fédéral, Monsieur le professeur honoraire et lauréat du prix Nobel de chimie 2017, Madame la présidente du Grand Conseil, Madame la présidente du Conseil d'État, Madame la rectrice, Monsieur le doyen de la faculté de biologie et de médecine, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités fédérales, cantonales et communales, Mesdames et Messieurs les représentants des milieux académiques, économiques, sportifs et culturels, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, Mesdames et Messieurs vos titres et fonctions, chers amis. Au nom du Conseil d'État vaudois, j'exprime aujourd'hui la fierté et la joie que nous a insufflé la co-attribution du prix Nobel de chimie 2017 au professeur Dubochet. Cher monsieur Dubochet, votre contribution à l'observation des molécules du vivant à l'échelle atomique a permis et va permettre encore de grandes avancées biologiques et médicales. Grâce à vous et à vos collègues, depuis quelques années, les scientifiques disposent de microscopes révélant les secrets des molécules jusqu'aux atomes. Ils sont capables de percer la forme des protéines, des virus ou d'autres machines du vivant pour en saisir le fonctionnement ou identifier des cibles thérapeutiques. Avec vos co-lauréats, messieurs Henderson et Frank, vous avez contribué au développement d'une technique révolutionnaire, devenue aujourd'hui routinière dans les laboratoires, la cryomicroscopie électronique. Voir pour comprendre, me disiez-vous, pour expliquer quel fut le moteur de votre quête scientifique. Voir pour comprendre, c'est le rêve qui vous a toujours guidé, un vieux rêve partagé par nombre de savants dans l'histoire de l'humanité. Voir l'infiniment petit pour comprendre les interactions entre les molécules capables de produire la danse de la lumière. Ce rêve de l'homme s'est accompli grâce à vos patientes recherches. Le microscope a été inventé il y a 100 ans, mais il faudra plusieurs décennies avant qu'il ne puisse être utilisé pour étudier des molécules biologiques. Elles avaient tendance à sécher dans le vide du microscope et à être brûlées par les électrons utilisés pour visualiser les échantillons. Pour examiner des échantillons biologiques dans un microscope électronique, ceux-ci doivent être congelés. Lorsque les molécules de nos cellules gèlent, elles forment forcément des cristaux de glace, et ces cristaux sont évidemment très beaux à regarder, mais les électrons se perdent dans le labyrinthe cristallin et les images nous apparaissent donc noires, illisibles.
On a longtemps cru que la congélation de l'eau sans formation de cristaux de glace était impossible. Mais vous, Jacques Dubochet, vous avez relevé le défi. Par pure curiosité, vous avez tenté quelque chose alors considéré comme impossible, quelque chose qui semblait dénué de toute application pratique. C'était au début des années 80, vous avez fait geler de l'eau à moins de 200 degrés Celsius dans de l'éthane froid. Vous avez regardé l'impossible en face. L'eau était à la fois liquide et solide, et ça marchait. Grâce à vous, nous plongeons désormais notre regard à l'intérieur des cellules et nous distinguons l'infiniment petit. Vous avez ainsi ouvert une fenêtre sur le monde des molécules et sur le possible de l'humanité entière. Depuis votre découverte, les progrès ont été rapides. La littérature scientifique décrit les avancées dont vous êtes le vecteur comme une révolution en cours. Dans la science, les révolutions sont l'œuvre d'équipes qui agissent en réseau, ignorant les frontières. Elles confèrent un bénéfice à toute la collectivité. Certains disent que c'est un miracle de pouvoir maintenant, grâce à votre contribution, nous regarder nous-mêmes. Mais pour citer James Weissman, les miracles se produisent parfois, mais il faut travailler dur, dur pour eux. Vous le savez très bien, vous avez aussi emprunté des chemins laborieux. Il vous a fallu des voyages, beaucoup d'audace et autant de ténacité. C'est cela la science. Un effort jamais achevé, des tours et des détours sans que l'on voit toujours en quoi les efforts vous rapprochent du but. Ce que vous avez réalisé et ce pourquoi vous avez été primé, c'est de la recherche fondamentale. Nouria Hernandez l'a dit. Donc a priori, une recherche qui ne sert à rien, du moins dans l'immédiat. Une recherche fondée sur de la curiosité pure. Il s'agit de comprendre le monde qui nous entoure. On acquiert les moyens de diagnostic, de mesure et d'action de plus en plus précis. Les applications suivront plus tard. Ce qui est certain, c'est que si la recherche fondamentale n'a pas été faite en amont, le terreau des applications n'existera pas. La réponse suprême qui a distingué vos travaux nous rappelle cette vérité forte. En ces temps où la soif de savoir est plus pressée, plus impatiente, plus intéressée, plus fragmentée, voire votre exemple nous rappelle les piliers immuables de la quête de la connaissance scientifique, la curiosité, l'audace, l'engagement désintéressé et le dépassement de soi. Il importe que nous protégions ces valeurs pour que la science continue d'avancer et de nous éblouir. Monsieur Dubochet, les scientifiques ne sont pas seuls à être comblés. Le Conseil d'État est fier de vos accomplissements et l'Université de Lausanne partage cette fierté. Nous vous l'avons déjà témoigné en fin d'année dernière en vous offrant un automate réalisé par François Junot, automate qui symbolise votre ouverture d'esprit sur le monde, mais je tiens à vous renouveler ici notre reconnaissance. En tant que responsable de la formation de la jeunesse et de la culture, je souhaite souligner la qualité universellement reconnue de vos travaux et l'importance que votre prix Nobel revêt pour notre université. Vos travaux scientifiques renforcent le rayonnement du canton de Vaud en matière de recherche et de formation. La distinction prestigieuse qui vous récompense confirme la pertinence de l'engagement des autorités en faveur de la place académique vaudoise. L'Université de Lausanne reste dans notre société ce magnifique espace quasi utopique où la réflexion et la recherche peuvent se poursuivre et se réaliser jusqu'au bout. Votre prix encourage les jeunes à suivre votre exemple, à s'inspirer de votre enthousiasme, à se passionner pour la recherche scientifique et à croire que rien n'est impossible et que des découvertes au service du progrès humain restent à faire. Cher monsieur Dubochet, au fur et à mesure de vos apparitions médiatiques et de nos échanges, j'ai appris que vous vous définissez comme un athée joyeux, que vous aimez le service public et la redevance, que vous vous parrainez aussi une jeune réfugiée et que mai 68 a été un moment important dans votre trajectoire personnelle. À vous observer, on aperçoit précisément que vos travaux scientifiques et votre esprit pionnier sont indissociables d'une posture philosophique large qui vous pousse à vous poser des questions sur la nature et la société d'une manière qui touche aussi directement la politique, les utopies et tout ce qui peut faire évoluer nos sociétés. Cette posture particulière, monsieur Dubochet, vous l'avez encore exprimée lors de votre leçon donnée à Stockholm, quand vous l'avez ponctuée de manière inattendue par la chanson de John Lennon, « Imagine ». Cet hymne pacifique du XXe siècle qui invite à vivre dans l'instant, la paix, en effaçant tout ce qui divise les hommes. Cette posture, vous l'avez manifestée encore tout au long de ce voyage à Stockholm, notamment en avertissant vos hôtes que vous étiez finalement un assez piètre chimiste. Nombre de lauréats ne savent pas quelle posture adopter face à un tel prix. Elles se renferment finalement au bout du compte dans leur spécialité. Vous êtes arrivé à Stockholm un peu en Marco Polo.
sans pression apparente ni esprit conquérant, mais en simple voyageur curieux et en hôte provisoire. Et oui, il existe des personnes rares qui ont une aptitude peu commune à réfléchir sur la nature profonde de leur environnement. Il existe des personnes qui, plus que les autres, sont en état de recherche permanent. Ces personnes extériorisent leur quête bien au-delà de leur simple spécialité. Elles savent ne pas céder à la pression de la spécialisation. Elles savent que plus on progresse dans un domaine de recherche et plus on approfondit une matière, plus on risque de devoir se limiter à une zone du savoir relativement étroite. Ces personnes savent que la spécialisation peut facilement tuer le sens de la découverte et de l'excitation qui l'accompagne, deux émotions indispensables à la créativité. Ces personnes savent que céder à la spécialisation est une forme de confort et de paresse. On finit par faire ce qu'on dit de faire, puisque, après tout, c'est votre spécialité. Monsieur Dubochet, vous faites partie de ces personnes qui savent. Cette attitude vous a naturellement poussé à vous interroger, bien au-delà de la science, sur votre engagement militant et sur les limites du possible en politique. Ces préoccupations chez vous ne sont ni secondaires ni marginales. Elles participent à votre démarche d'intellectuel, non pas seulement quand vous réfléchissez à vos cheminements scientifiques, mais aussi lorsque vous touchez à la patte humaine, comme dirait un autre Nobel. L'engagement scientifique, l'engagement politique, l'engagement citoyen et militant, bref, l'engagement humaniste, dont vous avez fait preuve tout au long de votre parcours, est une vraie leçon de vie. Ce qui vous anime, cette soif de comprendre, est un carburant au bon fonctionnement de notre société et à nos épanouissements. Votre réflexion philosophique sur la nature et sur la collectivité et aussi sur l'homme se nourrit de votre propre expérience scientifique, mais aussi de votre cœur. C'est la marque d'une unité profonde, celle de toute une attitude de vie. Alors merci de nous faire rêver avec vous, merci de nous émerveiller et merci de continuer pour nous à regarder l'impossible. Mesdames et messieurs, Jacques Dubochet, le cinquième roman à recevoir le prix Nobel, le 28e suisse, à grande occasion, invité prestigieux. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le conseiller fédéral Guy Parmelin. Il a tenu à être présent ce soir malgré les vacances du Conseil fédéral. Il est là ce soir en tant que membre vaudois du Conseil fédéral et en tant qu'ami de l'Université de Lausanne. Bonsoir et bienvenue, monsieur le conseiller fédéral. Nous sommes honorés de votre présence. Monsieur le professeur, mesdames et messieurs les représentantes et représentants des autorités cantonales et communales, madame la rectrice, monsieur le doyen, mesdames et messieurs les membres du rectorat et du corps enseignant d'Université de Lausanne, chers invités, en vos titres et qualités. Le cinéaste mauritanien Abderrahmane Sissako, premier Africain à avoir reçu le César du meilleur réalisateur, a dit, je le cite, « Un film n'est pas fait pour un palmarès, un film est fait pour toucher les gens ». Peut-être pourrait-on déceler dans ce postulat une analogie entre le 7e art et la science. Ainsi, je ne doute pas, cher Jacques Dubochet, que vous n'avez pas exploré ces savantes matières en vue de l'obtention d'un prix, fût-il aussi prestigieux que le Nobel, mais probablement parce que la science sert à un objectif d'un ordre supérieur idéal. Le biologiste et biochimiste français Jacques Monod, qui lui-même fut co-lauréat en 1965 du prix Nobel de physiologie ou médecine, comme il s'intitulait à l'époque, a confié son propre point de vue sur la finalité de la recherche. Le seul but, la valeur suprême, le souverain bien dans l'éthique de la connaissance, déclarait-il lors de sa leçon inaugurale au Collège de France une année plus tôt, ce n'est pas, avouons-le, le bonheur de l'humanité, moins encore sa puissance temporelle et son confort, ni même le « connais-toi toi-même » socratique, c'est la connaissance objective elle-même. Une appréciation qui s'inscrit curieusement en léger porte-à-faux avec la devise du Nobel,
for the greatest benefit to mankind. En suivant son raisonnement, austère en apparence, mais surtout passionnément scientifique, nous devrions arriver à la conclusion logique et imparable que cette vie de recherche qu'a menée lui aussi le professeur Dubochet avec ses équipes et sa carrière académique tout entière ont servi cette seule cause essentielle, repousser les limites de la connaissance en apportant un ray de lumière sur une matière éventuellement promise à l'obscurité éternelle. Il faut bien admettre que la vie des grands chercheurs est un apostolat de fort longue haleine, une entreprise exclusive, absolue, jalouse, réservée à des personnalités d'exception. Vous êtes assurément l'une d'entre elles, Jacques Dubochet, mais sans jamais que l'homme ne se soit effacé derrière le chercheur. Quelles qu'aient été vos motivations personnelles, que j'ignore, la science persiste à donner lieu à des classements, parce que c'est dans la nature des hommes que de se mesurer aux autres hommes, dès lors que la chance, le succès, le talent, le don ne sont pas prodigués en toute équité. Aussi, j'observe que le site internet du prix Nobel, au terme d'une analyse dont les critères me sont inconnus, vous place au nombre des trois lauréats du Nobel de chimie les plus populaires, juste derrière Ernest Rutherford, père de la physique nucléaire, et Marie Curie, première femme récipiendaire du prix. L'explication ne se trouve-t-elle pas dans votre heureuse nature, dans cette soif communicative de chercher, dans ce plaisir jubilatoire de découvrir, dans cette passion joyeuse de transmettre? Chacun de ceux qui ont partagé le bonheur et la fierté de vous voir élevés sur le pavois scientifique ont ainsi senti vibrer leur corde patriotique en même temps qu'ils constataient qu'un chercheur de haute volée pouvait aussi être modeste, accessible et jovial. J'ose pour ma part attribuer ce classement, indépendamment de son objectivité, au fait qu'avant d'être un brillant scientifique, vous êtes d'abord un subtil composé de génie et de simplicité. Il ressort de la statistique que notre pays a obtenue à ce jour, Madame Randa, vous avez dit 28 prix Nobel, on m'a dit 22 prix Nobel, mais individuels, je pense qu'il faut faire peut-être la nuance, 2 de littérature, 3 de la paix, 4 de physique, 6 de médecine et 7 de chimie. Là encore, je ferai offense au réalisateur mauritanien, mais pour une juste cause. L'honneur qui vous est décerné, cher Jacques Dubochet, et que vous avez pleinement mérité, permet en effet d'éclairer d'une lumière vive la qualité de la formation et de la recherche en Suisse. Notre pays s'oblige à les soutenir et à les encourager, confiant dans l'avenir qu'elles contribuent à assurer à notre société aussi bien que dans le progrès auquel cette dernière peut légitimement aspirer. Plus fondamentalement, et je cite ici, non sans un clin d'œil à Jacques Dubochet, le philosophe américain John Dewey, connu pour l'humanisme de ses travaux. L'éducation, écrivait-il, est un progrès social. L'éducation est non pas une préparation à la vie, l'éducation est la vie même. La Confédération en est bien consciente, qui lui consacre d'ailleurs un budget 2018 de 60% supérieur à celui de la Défense. Sans la moindre arrière-pensée de ma part, il m'apparaît néanmoins intéressant de mettre en balance la réalité des chiffres, bien que je puisse m'imaginer que la sécurité de notre pays garante à plus d'un titre de la qualité de l'environnement favorable dans lequel peuvent évoluer en Suisse chercheurs et étudiants, nous tient tous à cœur. Monsieur le professeur, cher Jacques Dubochet, nous sommes évidemment éblouis que vos recherches et surtout vos découvertes vous aient permis de décrocher un prix aussi convoité que le Nobel, dont nous nous sentons tous un peu, du fait de votre nature, de votre authenticité, les bénéficiaires. Je ne voudrais pas cependant que l'on oublie la portée de ces recherches, en dépit de leur déconcertante complexité. Ainsi, grâce à la méthode de cryomicroscopie conjointement développée par Jacques Dubochet, Joachim Frank et Richard Henderson, le monde nanoscopique des biomolécules cellulaires s'offrira désormais plus stable et moins déformé à nos yeux, ce qui ouvre des perspectives proprement phénoménales pour notre compréhension de la chimie de la vie. Enfin,
j'observerai un parallèle inattendu entre votre activité de chercheur et celle du politique, dont les idées peuvent souvent être en avance sur leur temps. Le procès de Galilée ayant la vie dure, un magazine scientifique vous avait à son tour refusé l'accès à ses colonnes sous prétexte que, je cite, « l'on ne peut tordre la nature » et que votre découverte allait au-delà des lois physiques. À l'évidence, elle y est effectivement allée, mais pas toute seule. L'effort, la persévérance, le savoir, l'expérience, le doute aussi peut-être et la chance avec elle l'y ont accompagné. Merci à vous, Jacques Dubochet, d'avoir défriché par votre parcours scientifique exceptionnel un nouveau et important chemin de connaissances et merci d'inspirer par votre parcours de vie des milliers d'autres promesses de brillantes carrières au sein de nos hautes écoles. La Confédération vous exprime par ma voix son admiration et sa reconnaissance unanime. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci à tous nos orateurs pour cette partie officielle. Il est temps, mesdames et messieurs, de parler science. Nous allons maintenant comprendre en quoi consiste la découverte primée par le prix Nobel. Jacques Dubochet, vous le savez, est récompensé pour ses travaux en cryomicroscopie électronique, une méthode d'observation des molécules révolutionnaire qui permet de regarder les molécules en trois dimensions sans les dénaturer. C'est une découverte qui a marqué l'histoire scientifique. Elle a complètement bouleversé en fait la pratique de la microscopie électronique depuis 30 ans. Elle a permis d'immenses avancées pour identifier notamment le virus Zika et elle permet actuellement des recherches très poussées pour trouver des solutions contre la maladie du Parkinson et d'Alzheimer. Alors qui d'autre mieux que Jacques Dubochet pour en parler ? Je vais donc appeler Jacques qui va nous permettre enfin de comprendre qu'est-ce que la vitrification de l'eau. Merci beaucoup. À vous, Jacques. Vous verrez, c'est très facile. Le film du début expliquait que j'étais plein de gratitude. Ça n'a pas changé. C'est ce que l'on ressent dans une situation de comme celle-là. C'est émouvant. J'ai beaucoup remercié ma famille, j'ai remercié mes amis, mes collaborateurs, tous les gens qui m'ont entouré, qui ont permis d'être ce que je suis. J'arrête. Mais maintenant, j'aimerais parler de la plaque scientifique lausannoise. En fait, nous ne nous sommes pas entendus avec Nuria Hernandez sur ce qu'on voulait dire maintenant. Je voulais parler de cette merveilleuse région scientifique qui est Lausanne. J'ai commencé avec mes études à l'EPUL, des études de physique, avec l'intention de devenir un biologiste, ou plutôt de travailler en biologie. Et là, j'ai bénéficié de cette incroyable possibilité d'apprendre. Et pendant ces c'était combien ? 11 semaines, je crois, oui. De cet enseignement, j'ai pu avaler une quantité d'informations de meilleure qualité qui m'étaient données par des professeurs extraordinaires. J'en cite un, Jean-Pierre Borel, peut-être qu'il est là, je ne sais pas, et qui a été celui qui m'a fait comprendre que la physique, c'est logique, ça marche ensemble. En deuxième année de physique, je suis allé vers lui et je lui ai demandé « Bon, j'aimerais faire une thèse en biologie, chez qui dois-je aller ?» Et il m'a dit « Ah, facile, il faut aller à Genève, chez le professeur Kellenberg, qui est en train de développer la biologie moléculaire en Suisse, c'est formidable. » Je vais chez le professeur Kellenberg, Édouard, pour ceux qui le connaissent, et Édouard, très gentiment, me dit « Ah, super !» voilà, j'ai une place pour toi, tu peux venir tout de suite. Ah non, il me voyait à ce moment-là. Non, c'est pas question que je vienne tout de suite. D'abord, j'ai encore 3 années d'études. Ah, bon,
Alors, reviens dans 3 ans. 3 ans plus tard, j'étais là et il avait tout oublié. Il avait été aux États-Unis en attendant, il s'était marié, etc. Mais il a quand même trouvé un poste et c'est comme ça que j'ai pu faire ma thèse à Genève, puis dans des conditions excellentes, puis ensuite continuer à Bâle, aux conditions excellentes parce que nous nous sommes trouvés avec mon épouse, et puis ensuite à Heidelberg, au Laboratoire européen de biologie moléculaire, qui est un endroit spécial, c'est une sorte de CERN de la biologie. Et là-bas, le directeur invitait, c'était tout neuf, ça venait de commencer, le directeur, John Kendrew, qui est un grand bonhomme, piquait des jeunes bons hommes dont il demandait qu'une chose, c'est qu'ils aient une bonne ambition, un bon projet, et puis il leur donnait une occasion de remplir, de faire leur recherche dans des conditions idéales. J'ai pu faire ça, j'ai eu de la chance, j'ai fait 2 découvertes qui sont importantes et qui ont permis la continuation de cette cryomicroscopie électronique. Et puis je suis venu à Lausanne parce que j'étais très attiré par l'enseignement aussi. Et là, à Lausanne, il s'est passé quelque chose. J'ai été très bien reçu, et donc j'ai pu faire... C'était des conditions excellentes. Mais je n'ai pas compris tout de suite pourquoi j'ai eu des si bonnes conditions. Et c'est vrai que là, il y a eu une décision, et maintenant j'ai compris, c'est depuis que j'ai eu le Nobel que j'ai été regarder un petit peu l'histoire et j'ai pu discuter avec ces personnes. Il y avait un recteur qui s'appelait Pierre Ducret, et puis il avait un chef du plan qui s'appelait Monsieur Pierre Mingard, et ces deux personnes avaient identifié que la microscopie électronique, c'est cher. Et de 2 choses l'une, ou bien on en fait, ou bien on n'en fait pas, mais on ne fait pas au milieu. Et ils ont lancé ils ont rehaussé la microscopie électronique, qui était très bien. Il y avait un centre de microscopie électronique très réputé à Lausanne, mais au départ du directeur de ce centre, le docteur Alain Gauthier, il fallait un remplaçant, et ils ont rehaussé cette situation. Je suis devenu professeur ordinaire en faculté de médecine et en faculté des sciences, et on m'a donné encore un laboratoire supplémentaire ici, dans cette institution à Dorigny, et on m'a donné un budget pérenne, un fonds de la microscopie électronique pérenne qui permettait d'assurer tout le temps notre recherche et nos instruments sur le long terme. Formidable. Grâce à ça, ben, naturellement, nous avons travaillé, je dirais, normalement. Nous avons fait de la recherche avec, en particulier, Stan Fakan, Andrzej Stasiak, qui faisait une très, très belle recherche, mais je dirais une recherche normale, dans le sens qu'elle était alimentée par les sources de financement normales, comme le Fonds national. Et puis, à côté de ça, j'ai pu mener tout le long cette recherche bizarre sur la méthodologie de la cryomicroscopie, et dans des conditions qu'on n'aurait pas pu faire autrement, parce qu'on ne reçoit pas d'argent pour une recherche, en tout cas en biologie, comme disait la rectrice que j'ai perdue. Voilà, merci. On ne reçoit pas d'argent pour ce type de projet dont le but est 10 ans plus loin. Voilà. Donc, vous voyez combien j'ai apprécié cette place lausannoise et combien je souhaite que, dans l'avenir, elle soit bien considérée et elle se considère comme une place. Voilà. On va parler de science. Voilà, on avance. Pourquoi la cryomicroscopie électronique? On en a déjà, madame, Cécile Amarel en a déjà parlé. Je peux sauter? Ah non. Nous sommes des sacs d'eau, de flotte, formés de milliards de petits sacs d'eau, chacune de nos cellules. Voilà à peu près à quoi ressemble une de nos cellules. Malheureusement, maintenant,
En microscopie électronique, on regarde avec des électrons. Les électrons, c'est formidable. C'est d'abord très petit, ce qui fait qu'on peut regarder des choses beaucoup plus petites qu'avec les grains de lumière qui sont beaucoup trop gros. On peut aussi voir une seule molécule, parce que les électrons réagissent tellement fort avec la matière qu'une seule molécule, déjà, il capte cette information. Mais il capte aussi l'information de l'air qui est dans la colonne. L'air n'est pas transparent aux électrons. La colonne d'un microscope doit être sous vide, et si c'est sous vide, l'eau s'évapore. Donc, l'eau n'a pas accès à la microscopie électronique, et ainsi, si vous séchez cet aquarium, ben, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça va faire des horribles agrégats. Si vous êtes très habile pour préparer les spécimens, vous ferez des petits agrégats fins. Si vous n'êtes pas très habile, vous ferez des gros agrégats pas fins, mais des agrégats, vous les aurez toujours parce que les poissons ne volent pas. Les microscopistes électroniciens ont été très habiles et ils ont inventé des méthodes pour faire mieux que simplement prendre un virus, comme c'est le cas ici, et le laisser sécher sur une surface. Il est horrible ici, il est complètement écrabouillé. Alors, ils ont fait, par exemple, le sécher en présence d'une solution de sel lourd, de sel de métal lourd. Et au fur et à mesure que l'eau s'évapore, le sel se concentre et à la fin, il forme autour du virus une gangue qui tient le virus en place et qui montre sa structure d'une manière très élégante, comme c'est le cas ici. Coloration négative, ouais, 1959, Brenner et Horn, un grand moment de la microscopie. Une autre méthode, c'est de geler une fine couche de spécimens et puis d'éliminer l'eau par évaporation sous vide. Moi, on m'a donné la possibilité d'aller à Heidelberg, donc au EMBL, j'avais un projet ambitieux, c'était mieux faire avec l'eau grâce à la cryomicroscopie électronique, c'est-à-dire garder l'eau dans le microscope, mais à froid, à une température où elle ne s'évapore plus. Seulement, le problème, c'est... Ah oui, d'abord je suis obligé de faire une petite digression. Il s'agit de mettre au net les dimensions. Un mètre, c'est comme ça. Un millimètre, c'est 1000 fois plus petit, c'est comme ça. Un micromètre, c'est 1000 fois plus petit qu'un millimètre. C'est gros comme les bactéries. Un nanomètre, c'est 1000 fois plus petit qu'une bactérie. Et un angstrom, c'est encore le dixième du nanomètre. Nous travaillons dans ces directions-là, ici. Entre le dixième de micromètre et l'angstrom. C'est là que notre domaine où on aimerait très bien travailler. Le micromètre, c'est beaucoup trop gros. Tout ce qui dépasse le dixième de micromètre, c'est trop gros. Et ainsi, voilà, c'était une chose à dire. Une autre chose, les spécimens en microscopie électronique, on les monte sur des petites grilles. Cette grille a 3 mm de diamètre, et on met sur cette grille un film très mince et on va déposer le spécimen sur cette grille et puis on va le laisser sécher ou pas le laisser sécher, puis on va le geler, etc. Et si on l'a gelé, on doit le mettre dans un porte-spécimen spécial, comme celui-là, où on mettra le spécimen gelé là au bout et ce dispositif, c'est de l'azote liquide qui va refroidir le spécimen et comme ça, on va le garder froid dans le microscope. Nous étudions tout ce qu'on pouvait voir de l'eau à basse température dans le microscope et on essayait de la glace de toutes les façons du monde. Et on avait pas... Mais comme je vous ai dit, le problème avec l'eau, quand on la refroidit, ça devient de la glace. Et geler la matière vivante, c'est lui faire autant de mal que de la sécher. Donc, on était bien embêtés. Alors, on essayait toutes sortes de choses et on a développé cette machine très sophistiquée que vous, maintenant, vous pouvez admirer au musée Nobel. Et il faut imaginer ceci. Ici, vous avez un récipient avec de l'azote liquide. C'est froid. Ici, vous avez, vous ne le voyez pas, mais il y a un vaporisateur sous forte pression qui lance un faisceau de micro-droplettes. Ici, vous avez une mince fente,
Et par cette main de fente, certaines gouttes continuent. Ici, vous avez une pincette avec, au bout de la pincette, la fameuse grille avec son spécimen, son porte-spécimen. Vous mettez en route le vaporisateur, vous avez le faisceau de micro-gouttes qui avance ici, et puis, pof, vous laissez tomber ça dans l'azote liquide, et vous obtenez, de temps en temps, une jolie goutte qui est bien visible. Ça, c'est typiquement une goutte d'eau congelée. Ces formes qu'il y a dedans sont le signe que c'est un cristal d'eau. Très bien. Sur ce, on reprend. On reprend et on fait ceci. C'est Alastair McDowell, mon collègue, et qui se dit, je vais mettre là un petit récipient, tout petit comme ça, gros, et je vais condenser dans ce récipient de l'éthane, l'éthane c'est un gaz, qui va se liquéfier là-dedans. Et ainsi, on aura un petit récipient d'éthane liquide, refroidi par l'azote liquide, et pof, on va faire tomber la même chose, la grille, cette fois dans de l'éthane liquide, parce que l'éthane liquide est connu pour être un meilleur refroidisseur. Résultat, ceci. Alastair m'appelle au microscope, et nous voyons ceci. Ça, c'est pas normal. Là, on s'est dit, oh, ben, qu'est-ce que c'est? On sait pas. On s'est dit, bon, c'est probablement une goutte d'éthane. Non, c'est pas possible, parce qu'à cette température, l'éthane doit être évaporé. Ouf. Ben, on va arrêter le refroidissement, on va laisser chauffer cette chose tranquillement, et puis on verra comment il s'évapore. Et à moins, on a regardé les télés là-dessus, et puis tout à coup, à moins 135, Cette image se transforme d'un coup en un multicristal d'une substance qu'on connaissait bien, l'eau cubique. L'eau cubique, la glace cubique, c'est une forme de glace qui n'est pas tout à fait habituelle pour nous, mais qui était habituelle pour nous, on connaissait bien ça, c'est une forme de glace. Or, si vous avez une substance qui est amorphe, qui se transforme en glace, vous savez que vous aviez avant de l'eau amorphe, de l'eau solide amorphe. Voilà. Ça c'est ce que j'ai dit à Lester. Ah, là, on a un gros truc. Bon, voici Alastair McDowell, il est au Caltech, en Californie. Il était avec nous à Stockholm, un super bonhomme. Et il y a toutefois un problème. C'est que, comme qu'il a dit, c'est cela, je crois, oui, la vitrification devait être impossible. Je ne vous explique pas pourquoi. Mais c'était de la thermodynamique très solide et il ne faut pas cracher sur la thermodynamique. C'est une science solide. Et il faut dire qu'actuellement, on ne comprend toujours pas. Nous savons que notre eau vitreuse n'est pas simplement de l'eau liquide immobilisée. C'est quelque chose d'autre, mais c'est assez mystérieux. Heureusement, on a toute raison de croire que les molécules qui flottent dans notre eau vitreuse sont aussi heureuses que si elles étaient dans de l'eau vraie. Mais tout est immobilisé. Mais c'est un grand problème qu'il va falloir que l'avenir va traiter. Le jour où on comprendra ce qui s'est passé dans ces deux phases d'eau, eh bien, probablement qu'on saura beaucoup de choses qui seront aussi importantes pour la biologie. Pour le moment, c'est quelque chose de très, très intéressant. Où est-ce que j'en suis? Ah, voilà, deuxième haha. Oui, nous voulons étaler la substance qu'on utilise, cette solution de virus, sur notre grille. Mais c'est difficile. Quelle est la forme d'une goutte d'eau? Une sphère. Et plus la sphère est petite, plus elle devient dure. Une sphère de 1 micromètre est dure comme du fer. Alors, vouloir l'étaler sur un film très mince, c'est très contradictoire. Ce qu'il faut faire, c'est que la force, l'énergie qui colle la goutte à la surface compense exactement la tension de surface. C'est trouvé, annuler deux grands nombres à une grande précision, c'est très difficile. Mais moi, j'étais un champion de ces traitements de surface pour étaler les gouttes. Mais j'avais un collègue qui s'appelait Marc Adrian,
qui est malheureusement mort. C'est un type d'une culture invraisemblable et extraordinaire. Et en plus, c'est un homme qui a une tête extrêmement dure. Et il a, c'est pas moyen de le convaincre de faire autre, de faire différemment de ce qu'il voulait faire. Et lui, il voulait, il n'était pas intéressé à cet étalement des gouttes et puis ces traitements de surface compliqués. Il dit, moi, je ferai 100 films support. Mais ça ne va pas, ça ne peut pas aller, parce que physiquement, c'est tellement contradictoire. Oh ! Et un beau jour, il avait ça. Il avait ça, une image telle que celle-ci. Alors, ça, c'est le spécimen idéal. C'est une très mince couche d'eau vitrifiée, de la vraie eau, de la bonne eau, dans laquelle nagent les virus et rien d'autre. Et dans un carré de la grille, un carré qui a 18 microns, qui est énorme donc, il y avait ce film d'un dixième de micromètre d'épaisseur qui est 200 fois plus mince que large, complètement stable. Ouh, incroyable. Ça, c'était la méthode idéale pour préparer un spécimen pour la microscopie électronique. Ça a été un grand moment après. Les mois qui ont suivi, c'était les grands moments, parce que venaient du monde entier les spécialistes de l'eau, qui venaient voir qu'est-ce que c'est que l'eau vitreuse, qui était impossible. Et ils venaient apprendre la méthode pour l'emmener dans leur laboratoire. Et puis, tout le monde se parlait, il y a eu le premier cours de cryomicroscopie électronique. Et puis, il y a eu les publications standards. Ah, celle-ci, je ne vais pas la louper. Oui. Ah, ben, je vais vous le montrer pour de vrai, ça. Alors, on passe tout de suite à la suite. Oui, tac. Ça, vous allez le voir dans un instant pour de vrai. Bon. Oui, regardons ça. Voilà. Alors, j'ai besoin... Ouh ! Où est-il, mon collègue ? Ah, merci. Voilà, c'est l'appareil avec lequel Marc travaillait. Merci. Ah, vous voyez ici une pincette avec une grille, comme je vous ai montré. On va l'utiliser. Ah, et puis il faut que je prépare aussi du jus ici. Ouh là ! Voilà, alors ici on a du jus. Disons que c'est un affreux virus. Voilà, très affreux virus. Bon, on l'a coloré pour que tout le monde puisse voir. Et puis, ça, on le verse tout de suite là-dedans. C'est de l'azote liquide. Je ne vous fais pas l'expérience réelle. Tu me donnes encore un peu, s'il te plaît. Je ne vous fais pas l'expérience réelle, parce qu'il faudrait donc condenser, probablement on peut le voir, dans ce petit flacon en aluminium, il faudrait condenser l'éthane. C'est un petit peu compliqué pour le faire ici, donc je ne le fais pas, mais qu'importe, pour le moment, on a l'azote liquide qui est en train de refroidir notre spécimen. Vous imaginez que dans un petit moment, tout ceci sera bien froid, moins 180 degrés, et, au milieu, il y a l'éthane liquide. Je prends cette histoire-là, ouf, alors je tremble horriblement, mais ça, c'est de mon âge. Voilà. Tac, on va lui mettre. J'espère qu'il est bien centré, parce que sinon, ça fait des dégâts terribles à la pincette. Je mets la goutte de virus affreux. Et puis, je prends un papier buvard, pas n'importe quel papier buvard, je vous assure, mais le papier buvard numéro je ne sais plus combien. Et attention, c'est là que se trouve le truc génial. Attention, 0, oh non, non, je trompe trop. 0, 1, 2, tac, voilà, c'est tout. Vous avez vu, c'est ça ce qui se passe quand on essaie de vous m'impressionner. Et vous avez vu, une seconde, la goutte part dans le papier buvard, mais le dixième de micron qui reste met une seconde de plus pour disparaître. Et hop, vous avez tout le temps de le renvoyer, de l'envoyer, et c'est fini. C'est ça, la fameuse méthode. Pas compliqué, hein? Sur ce, alors, le nouveau directeur de l'Institut n'était pas favorable à ces physiciens qui travaillaient avec de la flotte. Alors,
Alors nous avons étudié son virus, ça c'est de l'adénovirus. Et puis quand on a publié ça, alors il était content. Et il est devenu très supporter de la suite de nos travaux. Maintenant, remarquez une chose importante. Ici, vous avez l'adénovirus chaque fois. Et, au fait, c'est toujours le même virus. Mais chaque fois, le même virus dans l'eau, mais chaque fois avec une orientation différente. Ainsi donc, vous voyez ce virus dans toutes ses orientations. Et vous connaissez la tomographie par rayon X. On prend des photos de la personne de tous les côtés pour le reconstituer en trois dimensions. C'est ce qu'on peut faire si on voit, on a toutes les orientations possibles. Et c'est ce que nous avons là. Bon, on ne sait pas qui est orienté par rapport à qui, mais ça c'est égal, les mathématiciens savent corriger ça. Et c'est ainsi qu'on est arrivé en 1986 à cette reconstruction. C'était le virus de la forêt Semliki, c'est le virus que je vous ai montré dans la photo de Marc Adrian. Et il est reconstruit à une résolution de, tenez-vous bien, 35 angstrom. 35 angstrom, c'est petit, ça ne vous dit rien, mais on va fixer ce que ça veut dire, 35 angstrom. 35 angstrom, de l'autre côté, il y a les gens qui étudient les vraies molécules, les atomes, etc., les gens de la diffraction des rayons X. Alors, ils rigolaient, parce que ça, c'est de la blobologie. Blob, 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 blob. Mais voilà, on a travaillé là-dessus, sur notre blobologie. Et en 35 ans, on a passé de 35 angstrom à 3,5 angstrom. Alors, moi aussi, j'y ai travaillé. Mais ceux qui sont les plus essentiels dans cette continuation, ben c'est Joachim Frank, qui, lui, a développé les mathématiques pour la reconstruction trois-dimensionnelle et puis toute l'informatique qui permettait d'utiliser ces mathématiques. Quant à celui-là, c'est Richard Anderson, je dis toujours, lui, il n'a rien inventé. Il n'a rien inventé, mais il a tout compris. Et, vous voyez, c'est celui qui est le premier a vu où il fallait aller. Et où fallait-il aller? Il fallait aller à 3 angstroms ou 3,5 angstroms. Pourquoi? Parce qu'à 3,5 angstroms, on voit les atomes. Et quand on voit des atomes, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est de la chimie. Et c'est pour ça qu'on a un prix Nobel en chimie. Quoique nous soyons tous les trois fort incompétents dans ce domaine. Mais qu'importe, quand on voit les atomes, cette science qui s'ouvre, c'est d'une puissance énorme. Et c'est pour ça que ça fait beaucoup d'histoire. Donc, nous en sommes là. Ah oui, à l'UNIL, nous continuons très fort. Puis je vous ai dit que nous avions la possibilité, nous avons continué à travailler en cryomicroscopie. Nous, on n'était pas les champions de plus d'angstrom, ou moins d'angstrom, une meilleure résolution. Nous, on travaillait sur quelque chose d'autre. Je vous disais, nos spécimens, c'est un dixième de micromètre d'épaisseur. C'est pas beaucoup. On met pas un individu là-dedans, on met pas une cellule. Donc, nous cherchions comment étendre la cryomicroscopie à des objets massifs. Voilà, la méthode est simple. On prend un petit bout de tissu, on le vitrifie. Mais c'est difficile de vitrifier. Plus c'est gros, plus c'est difficile. Et en fait, on ne peut pas vitrifier grand-chose, mais quand même un petit peu. Et puis, ensuite, on le prend, il est vitrifié, on le coupe. Ben, vous imaginez, coupé à un dixième de micron d'épaisseur. Puis on prend ces charmantes petites coupes et puis on les regarde au microscope électronique, sans les dégeler, naturellement. Vous voyez le trapèze. C'est du trapèze, en effet. Mais au lot du département d'analyse ultrastructurale, nous avons toujours eu une ou deux personnes qui continuaient ce projet invraisemblable, qui maintenant... Ah ben regardez, maintenant, voilà, ça c'est une personne du... Voilà, oui, la méthode s'appelle Semovis. Semovis. Mais c'est normal. Cryo Electron Microscopy of Vitrification. Ça vous rappelle un peu quelque chose, n'est-ce pas?
Oui, on n'a pas osé l'appeler Cénovis, parce que ça ferait des histoires. Mais quand les gens de Cénovis ont vu notre Cénovis, ils ont recyclé leur belle affiche, parce que, qu'est-ce que vous voulez, Cénovis, c'est quand même un produit suisse. C'est bon. Bon, c'est bien rigolé. Mais ici, vous avez Cénovis, c'est ça. Alors ici, vous voyez le couteau, le matériel qu'on coupe, le couteau en diamant ici, et une série de sections. Déjà, il y en a une bonne série qui se tire là. Ici, un cil d'une personne, un cil qui sert à fixer le bout de la série, et puis avec un micromanipulateur, on le tire tout doucement. Ça, ça marche très bien maintenant, ça marche très bien. Et ça, c'est un travail de Michael Eltsov. Il était au dos, il était chez nous jusqu'à que je parte à la retraite. Maintenant, il est à Francfort. Et vous voyez, ensuite, quand on a cette longue série de sections, on la dépose sur la grille et on va l'envoyer, on va regarder ça au microscope électronique. Alors, je ne vous fais pas dire, c'est une méthode difficile. Et avec la méthode de cryomicroscopie des couches minces, c'est tellement facile, ça marche tellement bien. Maintenant, n'importe quel jeune apprend la méthode, 3 mois plus tard, il a un article dans Nature. Alors, personne ne vient travailler sur Cénovis, mais ça viendra, parce que Cénovis, c'est presque mûr. Voilà, je continue. J'ai presque fini. On a passé de 3,35 à 3,5 angström, on a passé à la chimie, de la blobologie à la chimie, et ça produit un prix Nobel. Prix Nobel, on a déjà vu des tas de choses sur le prix Nobel, ça se passe à Stockholm, ça se passe en très bonne compagnie, oui, c'est très satisfaisant. La famille y était aussi, tout le monde était très content là-bas. Nous étions en très bonne compagnie, comme vous pouvez voir. Voilà, ça c'est le roi et la reine. Ça c'est la future reine et son mari qui va être l'attentif accompagnateur de ma femme lors du souper. Très bien. Etc. Ça c'est le grand souper du soir. Je n'assiste pas, vous avez vu, c'est très impressionnant. Nous étions en très bonne compagnie. Voilà, et il y avait tout un spectacle avec cela. Et le spectacle était axé sur des cristaux de glace. Je ne crois pas que c'était à cause de notre glace, mais c'était parce que c'était très élégant. Voilà, cristaux, etc. Bon, mais alors, où mène-t-elle cette cryomicroscopie électronique? Ben, récemment, a été publié ce résultat. Et ce résultat est intéressant. Vous croyez que ça va tomber, ça? Oui, je crois. Oui, ce résultat est intéressant. Il existe une dizaine de maladies qui sont neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson et d'autres, qui sont toutes liées à un type de protéine, toujours un peu la même, qui s'accroche et qui forme des agrégats qui, croit-on, sont essentiellement liés à ces maladies. Évidemment, si on comprend comment ces agrégats se forment, comment les atomes de ces agrégats s'accrochent l'un à l'autre pour former ces grosses structures néfastes, on pourra peut-être comprendre comment on évite ceci. Comment Alzheimer ou Parkinson, on pourra trouver peut-être des médicaments là contre. Oh, la cryomicroscopie n'a encore rien fourni pour les vraies thérapies, mais, ou pour des vraies technologies. Mais ça va venir, on peut être tranquille. Et on va comprendre comment fonctionne le cerveau, on va comprendre que sais-je, la conscience, l'intelligence, tout ça. Ça vient à toute allure. Seulement, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est le problème que je ne... Ben voilà, on en a déjà parlé un peu. Eh bien, pouvoir de la connaissance. Quand nous avons publié lors de cette première publication sur la méthode de la vitrification en couches minces, cette année-là, j'ai reçu mon premier Mac.
mon premier Mac. Et depuis, vous voyez ce que ça c'est devenu. On est, le monde est transformé. Un milliard de personnes passent sa journée derrière des écrans et des ordinateurs personnels. Et puis maintenant, encore pire, avec les systèmes de communication. Tout ça parce que des technologies sont venues et des technologies qui bouleversent notre monde. Il y a fort peu de temps, enfin, pas fort peu de temps, le grand-père de mon père, de ma mère, vivait dans la disette. Et il était très inquiet de savoir s'il pourrait apporter la nourriture à sa famille. Maintenant, on crève sous l'excès. Résultat, le changement climatique, d'une situation climatique hors contrôle. Et puis, au-dessus de notre chalet dans le Val d'Airain, les deux glaciers, le glacier du Mont Miné et le glacier de Ferpecle, quand nos enfants sont nés, ces deux glaciers fusionnaient alors en bas. Maintenant, ils sont tous les deux tout en haut. Le glacier de Ferpecle est loin dans sa vallée. Et aux dernières nouvelles, il s'effondre. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nous sommes bons à produire de la connaissance, mais nous l'utilisons n'importe comment. C'est vrai, parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, mais le premier c'était Rabelais 1532, c'est pas nouveau, mais ça devient urgent. Que faire? Ah, j'ai une méthode. La première méthode, c'est que les scientifiques sortent de leur tour d'ivoire et soient présents dans le public, dans la politique, soient des citoyens actifs et non pas enfermés dans leur tour d'ivoire. Ce n'est pas suffisant comme solution. C'est déjà une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Il faut autre chose. Ah oui, pour faire sortir les scientifiques, nous, on a fait, donc il y a 25 ans, on a créé plusieurs, mais c'est quelque chose de tout à fait... c'était, l'université était très en avance là-dessus, on était pionniers là-dessus, c'était cet enseignement biologie et société, c'est pas beaucoup, c'est en moyenne une heure par semaine, mais c'est obligatoire, et c'est pendant les trois premières années propédeutiques, tous nos étudiants passent par là, et le but, enfin, en fait, c'est de l'éthique, et en fait, le but, c'est que tous nos étudiants soient d'aussi bons citoyens qu'ils sont de bons biologistes. Voilà, ça c'est un but généreux et important, mais ce n'est pas le tout. Imaginez, actuellement, la connaissance n'est pas un bien commun. Imaginez que notre cryomicroscopie permette de résoudre ce problème d'Alzheimer et de Parkinson. Imaginez qu'on ait un super médicament l'année prochaine. Vous savez ce qui se passera? Ils vont se battre, mais horriblement, pour savoir qui aura le brevet. Et ils se battront, et ensuite ils vendront le médicament à 100 000 balles, alors qu'on pourra le construire, on pourra le faire pour 100 balles. Vous dites que j'exagère. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'hépatite C. L'hépatite C, ils ont découvert un magnifique médicament qui permet de soigner très correctement l'hépatite C. Il est actuellement en vente dans nos pays à 100 000 balles. Et nos assurances n'acceptent de le payer que si la maladie a fait déjà suffisamment de dégâts. Saloperie. Il faut considérer que le savoir, c'est un bien commun. Moi, je rêve de ceci. J'imagine que toute la connaissance que nous avons sur le médical soit donnée à un organe international, mondial, typiquement le WHO, l'Organisation mondiale de la santé, et que le WHO, l'Organisation mondiale de la santé, on y arrive, reçoive tout ce savoir à sa disposition et ait la tâche et les moyens d'utiliser tout ce savoir pour le bien commun. Ah, je sais, je rêve, hein. Je rêve. Mais... You may say, I'm a dream.
Merci. Bravo. Bravo et merci beaucoup, Jacques, de nous avoir fait rêver. Vous êtes un rêveur ? Oh, j'espère que non. Non. Non, enfin, il faut réaliser ça. Oui. Vous avez parlé de l'accès à la connaissance, de partager le savoir. Alors, il faut savoir que vos articles scientifiques sont accessibles sur les serveurs de l'Université de Lausanne. L'Université de Lausanne a réussi à passer un accord avec les éditeurs pour que toutes les personnes qui veulent poursuivre la réflexion et en savoir plus puissent lire vos articles. Est-ce que c'est une bataille importante ? Est-ce que c'est un enjeu important ? Alors, bravo l'Université de Lausanne. Elle participe en ça. Oh, ben voilà, elle met en évidence nos papiers. Très bien. Mais surtout, elle participe à une grande bataille. Actuellement, il y a cette situation où les éditeurs prennent en main les articles. Et si je publie dans Nature... dans Nature, eh bien, l'article ne m'appartient plus. C'est eux qui sont les propriétaires. Alors, moi, je n'avais pas l'habitude d'utiliser les nouvelles méthodes. Actuellement, une grande proportion de nos articles sont des articles de l'université, et l'université pousse très fort à cela, sont publiés en libre accès dans des revues spéciales qui les autorisent et qui les mettent à disposition. Laurent Keller se bat beaucoup pour ça, il a bien raison. Et puis, nous, on vient de publier un nouvel article sur une de nos catastrophes d'autrefois, et ce sera mon premier article dans un journal à libre accès. Alors, je suis très content. Très bien. Voilà. Vous avez participé, Jacques, à la mise en place du programme Biologie et Société pour les étudiants en biologie. Vous participez activement à toutes les activités publiques de l'université. Vous vous engagez pour les mystères de l'UNIL, pour l'éprouvette, pour les leçons aux enfants. Alors, on va vous retrouver dans l'une de ces activités, découvrir ce qu'est le programme Biologie et Société, et on se retrouve juste après. L'éprouvette, le laboratoire public de l'Université de Lausanne. Jacques Dubochet prépare une présentation de ses recherches. Est-ce que ça va, ça ? Là. Nous sommes mercredi après-midi et il s'adresse à des familles, parents et enfants venus découvrir la science. J'aime beaucoup ce lieu. Ce labo, moi, je trouve que c'est magnifique. Dans le genre mouvement vers la société, c'est formidable. Notre Université de Lausanne est pionnière. Pas seulement au niveau vaudois ou suisse romand. Mondialement, c'est exemplaire ce qui se fait là. Ambiance détendue et ludique, un savoir pas toujours sain pour les néophytes. Et elle a une tête, mais une tête catastrophique. Tout au long de sa carrière, Jacques Dubochet a milité pour que les scientifiques s'engagent et expliquent les enjeux de leur recherche. Est-ce que les scientifiques doivent faire de la politique? Qu'est-ce que c'est le mot politique? Ça veut dire affaire de la cité. Mais ou bien nous sommes des autistes, ou bien nous sommes des politiciens. Avec le fondement du mot, ben bien sûr, il faut entrer dans la cité, il faut s'impliquer. Effectivement, Jacques Dubochet fait partie de cette tradition de scientifique citoyen, engagé, réflexif, avec la capacité qu'il a de faire le pont entre la communauté des biologistes ou des physiciens et la communauté des sciences humaines et sociales, avec une grande ouverture d'esprit et une capacité à incorporer aussi les savoirs des autres disciplines. Pour Jacques Dubochet, la science est interdisciplinaire. Il faut aussi s'intéresser à la médecine et à l'éthique. Un enseignement différent, né il y a 30 ans, auquel a participé le professeur Jacques Diézy.
Jacques Dubochet aussi, très vite aussi, a été intéressé à cette aventure qui était alors orientée vers les questions d'éthique biomédicale, disons, partagée encore une fois avec des points de vue de théologiens et des points de vue de juristes. C'est une approche complètement nouvelle. Depuis 15 ans, l'université organise un cours intitulé « Biologie et société » pour les étudiants en bachelor. L'éthique et la sociologie font leur entrée dans le monde des sciences. C'était extrêmement novateur, effectivement, parce que c'est la première fois qu'un cours obligatoire, sanctionné par un examen, était donné à des biologistes ou à des scientifiques des sciences de la nature, par des biologistes et par des spécialistes de sciences humaines et sociales. Pour parents et enfants, la visite se poursuit avec la découverte du bâtiment où le professeur Dubochet a mené ses recherches il y a 30 ans. Dans la salle du microscope électronique, on découvre même son fonctionnement. À partir du moment où on retire l'air, plus rien de C'est important. Ce que l'on est aujourd'hui et ce que l'on sera demain, c'est largement ce qui vient, disons, de l'application des découvertes. Alors, il faut pouvoir communiquer. Communiquer, dialoguer et partager ce savoir trop souvent enfermé dans le secret des laboratoires. Car la science a beaucoup à nous apprendre sur la santé, l'environnement ou l'énergie, par exemple. L'activité scientifique fait partie du progrès, de l'espoir des sociétés humaines. Et ce n'est pas uniquement le développement technologique, mais le fait que des points de vue qui résultent de réflexion, de prise de position, soient partagés, échangés, c'est un catalyseur de cohésion humaine, l'activité scientifique, je pense. Une dédicace pour terminer un bel après-midi, un moment de partage des savoirs. Je t'en prie, ciao. Voilà, Jacques, venez me rejoindre. On l'a bien compris, beaucoup d'efforts depuis 30 ans, un rôle pionnier pour l'Université de Lausanne. Est-ce que vous avez l'impression que les scientifiques communiquent assez aujourd'hui ? Alors, sûrement pas assez. Communiquent-ils plus ? Probablement. Bon, on a un problème, c'est que quand même en science, la science, disons, l'application des sciences est devenue tellement portée sur la finance, les intérêts, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'était beaucoup moins le cas avant. Quand nous avons fait notre découverte, il n'était pas question de breveter, personne n'y pensait même. Maintenant, tout ça serait de breveter. Non, moi, pas avec moi. Je ne sais pas, mais peut-être mon directeur m'y aurait obligé. Vous avez dit un jour que vous avez reçu le prix Nobel des contribuables. Pourquoi ? Bon, oui, ça, c'est bien clair. C'est parce que... mais je ne suis pas le seul à avoir fait toute ma carrière avec l'argent du contribuable. Les universités... Il y a beaucoup de recherches qui se font comme ça. En fait, la plupart des bonnes recherches, c'est de la recherche qui n'est pas financée par des intérêts commerciaux ou individuels. Bon, c'était une façon de dire votre reconnaissance. Ben oui. Aujourd'hui, vous avez un porte-voix extraordinaire. On vient vous voir, on recueille vos paroles. Vous allez l'utiliser pourquoi ? Pour défendre quel combat aujourd'hui ? Bon, vous en avez vu un petit peu. Oui, on a bien compris. Le climat, notamment. Alors, il y a climat, oui. Climat, il y a migration, vivre ensemble. Il y a l'engagement politique des scientifiques. Sciences et société, que va-t-on faire avec notre savoir, avec cette nouvelle génétique, etc. Oui. Et puis, moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de présence de femmes en sciences. Très bien, on va en parler. Je vous propose de prendre place. J'ai maintenant le plaisir d'appeler 4 personnes à venir me rejoindre, amis et anciens collègues. Chacun d'eux a fait un bout de chemin avec Jacques et va nous révéler une facette de sa personnalité. J'ai le plaisir d'appeler Laurie Salamin, Henning Stahlberg, Laurent Keller et Béatrice Devergne. Bonsoir et bienvenue à vous quatre. Courage, courage.
Laurée Salama, on va commencer avec vous. Vous avez été chercheuse en biologie, vous êtes une ancienne municipale de Bussigny exactement aussi. Quand est-ce que vous avez connu Jacques ? Je suis sûre qu'il marche. Alors, j'ai connu Jacques il y a 50 ans, dans les années 60. On a fait un peu 68 ensemble, mais comme scientifique. Alors déjà, comme scientifique, on s'intéressait aux problèmes science et société. Et voilà, on a commencé à... Je vous laisse. En fait, un des sujets qu'on a mis en évidence, c'était sur l'environnement. Et bien, par exemple, on s'est même fait amener au poste de police. Hein, ça, c'est un de ses souvenirs. Alors, que racontez-nous ça. Vous avez fait de la prison avec... Non, peut-être la prison pas. Non, seulement... Arrêté par la police avec Jacques. On a seulement été amené au poste, hein, Jacques. En fait, on a été amené au poste parce que on collait des flyers de tête de mort sur les affiches du salon de l'auto. Donc vous avez mené des combats au-delà de la science, mais des combats politiques ensemble, voilà. Dans les années 68. Tout à fait. En fait, on était des 68ards. Donc on peut dire que c'est une amitié très longue. Hein. Elle a déjà 50 ans, puisque 68, 2018, hein. Ça fait 50 ans qu'on est copains. Vous avez aussi joué un rôle essentiel dans la vie sentimentale de Jacques. Eh oui. En fait... J'habitais en communauté, hein, comme en 68 ça se faisait. Hein. Et moi, j'ai invité Jacques, puisque on travaillait tous les deux chez M. Édouard Kellenberger, à Genève, et puis, au biocentre à Bâle, pardon, excusez-moi. Donc, on avait suivi en 70, il y a tout un groupe de romans qui a suivi Édouard Kellenberger au biocentre à Bâle. Et puis, alors, moi, j'ai invité... On avait une fête, je crois qu'on accueillait des Chiliens. Et puis, moi, j'ai invité Jacques. Et puis, mon coloc, il a invité Christine, qui était une de ses amies, qui était en histoire de l'art, n'est-ce pas? Et alors, comme ça, Jacques... et Christine se sont rencontrées chez nous, à la Vetschlaumallee, à Bâle. Et bien, depuis là, ils sont devenus bons amis. Et puis après, ben, Jacques est parti à Heidelberg, avec Christine, naturellement. Et puis c'est là qu'il a apprivoisé la glace. Tandis que moi, je suis partie à Lausanne, chez Alain Gauthier, dont il a parlé tout à l'heure. Et quand Alain Gauthier est parti à la retraite, j'ai averti Jacques qu'il y avait une place. Et Jacques est venu à Lausanne. Il a postulé, naturellement, comme il a dit, il a été accueilli. Et j'étais quand même très contente. Il n'y a pas tout le monde qui peut choisir son patron. Hein. Vous avez bien choisi. Laurée Salama, vous partagez aujourd'hui un combat commun, un intérêt commun, c'est celui des migrants. Ah oui, ça c'est vrai. En fait, depuis qu'on a la retraite, en tout cas, on fait quand même beaucoup de travail, justement. Enfin, déjà avant la retraite, naturellement, mais on est tous les deux au Parti Socialiste. Jacques, il est au Conseil communal à Morges. Et moi, j'étais municipale, comme vous avez dit. Et oui, enfin, quand il a commencé le problème de la migration... Je me suis impliquée, mais Jacques aussi, et surtout depuis qu'on est à la retraite, Jacques, il donne des cours de mathématiques à des migrants et des migrants. Aussi, Jacques et Christine, ils accueillent chez eux une migrante qui habite chez eux depuis maintenant 2-3 ans. Donc voilà, en fait, c'est 50 ans d'amitié et d'engagement, et ça compte. Merci beaucoup de votre témoignage, Laurée Salama.
Damien Stahlberg, vous êtes professeur de microscopie électronique à l'Université de Bâle. Vous êtes à la tête d'un grand laboratoire qui compte 40 collaborateurs et vous êtes un ancien doctorant de Jacques. À quoi ressemblait Jacques comme directeur de thèse? Comme directeur de thèse, il était tolérant. Il nous a donné toute la liberté de faire tout ce qu'on voulait, plus ou moins. On pouvait arriver au travail quand on voulait, on pouvait partir dans les vacances autant qu'on voulait. La seule demande qu'il avait, c'était qu'on a une bonne idée une fois pendant les 4 ans, okay, combien ça. Et pour ça, on avait le doctorat après. Il était très libéral et la vie dans le labo était très sympa. On a beaucoup rigolé, on a fait des randonnées, beaucoup de randonnées. Il n'y avait aucun stress de Jacques. Le stress était déjà assez de la recherche. Et Jacques nous a aidés beaucoup, aussi personnellement. Est-ce qu'il vous disait parfois que les bonnes idées se trouvaient plutôt en forêt qu'au laboratoire? Oui, il a dit, je pense, tu as dit une fois, si on est fatigué, épuisé, parce qu'on travaille chaque jour, du matin jusqu'au soir, on n'a pas de bonnes idées. Yeah? Ça ne fonctionne pas comme ça. Et surtout dans la microscopie électronique, il faut cette une photo qui vraiment montre la biologie comme elle est. On ne peut pas faire ça quand on est épuisé. Yeah? À cause de ça, tu nous as donné toute cette liberté, je pense. J'aimerais que vous nous racontiez parfois la frustration ou la souffrance que peuvent expérimenter des chercheurs qui ne trouvent pas. Parce que parfois, pendant 4 ans, pendant 6 ans, on travaille sur quelque chose qui ne débouche pas. Est-ce que vous pouvez préciser cette notion? Oui, tout à l'heure, Jacques nous a raconté des prix Nobel des physiciens qui ont travaillé pendant 40 ans jusqu'à ce qu'ils ont découvert, construit cette machine qui peut mesurer des ondes de gravitation. Et maintenant, ils ont cette prix Nobel. Et on peut voir tout ça, ce qui se passe dans l'espace. Et si ça n'aurait pas marché, ils n'auraient eu rien après 40 ans de recherche. Chez Jacques, c'était, je pense, plus ou moins la même chose. Il a travaillé au EMBL pendant 6 ans. C'est un projet que tout le monde pensait que ça ne va jamais marcher. C'était un grand risque. Il a investi 6 ans de sa vie, de 78 jusqu'à 84, avec une idée très fou ou visionnaire, avec persistance, et à la fin, ça a marché. Il a inventé une machine qui permet de voir la biologie comme elle est dans l'échelle nanomètre, pas dans l'espace. Mais c'est plus ou moins la même chose. Jusque le monde, nous, on a eu besoin de 30 ans pour comprendre qu'est-ce que c'était cette invention. Ça, c'était la différence. Les physiciens, ils ont eu le prix Nobel tout de suite, et toi, 30 ans plus tard. Mais plus ou moins, c'est la même chose. C'était une grande vision, une longue persistance, un long travail, et à la fin, ça a marché. Mais au départ, Jacques, vous avez essayé de colorer et de figer les molécules. Vous n'avez pas tout de suite pensé à la congélation. Ça, c'était... J'étais pas là, mais je pense pendant son doctorat et son postdoc, le projet de Jacques était de trouver une selle ou une fixation pour sécher les virus, pour qu'ils restent intacts et rien marchait. Et tu m'as une fois dit que les résultats de 10 ans de recherche était que des substances bizarres font créer des artefacts bizarres. Ça ne marche jamais avec les virus. La seule manière qui pourrait marcher, c'est de laisser les virus dans l'eau. Alors, il faut le congeler. Et avec cette idée, tu es allé à Heidelberg et tu as commencé à travailler avec des assistants, avec un team. Et tu étais très visionnaire et aussi très motivant pour tes gens. Et c'était une vision fixe que tu as eue au début. Et le résultat, ça c'était la vision, je pense, c'était le résultat de la souffrance de ton postdoc et rien marchait. Et à cause de ça, tu avais cette idée et l'énergie et les conditions spéciales à Heidelberg. Si vous deviez définir Jacques, les quelques valeurs, ou Jacques chercheur, quelles étaient les caractéristiques qui ont fait qu'il a réussi à faire cette découverte? Voilà, vous l'avez demandé, est-ce que vous êtes un rêveur? Il a dit non, mais oui, mais non, mais oui. Et c'est exactement ça. Il n'est pas un rêveur, il a des visions, des rêves. Et en plus, l'intelligence et le pouvoir de le faire réaliser. La créativité, la détermination, la vision, le courage d'investir tout, la carrière, les soldes, la vie des collaborateurs. Dans ses idées. Il faut avoir du courage pour ça.
Aujourd'hui, vous travaillez sur le Parkinson, c'est bien ça? Et est-ce que vos jeunes chercheurs ont autant de liberté et de possibilité de créer que ce que Jacques a eu? J'essaie de faire ça, mais la réalité dans la science est malheureusement pas tellement. Aujourd'hui, si un chercheur n'a pas de publication chaque année, c'est très difficile de continuer. À cause de ça, on a des autres conditions, malheureusement, mais j'essaie de plus ou moins suivre le style que Jacques a vécu. Merci beaucoup, Henning Stahlberg, pour ce témoignage. Laurent Keller, beaucoup de gens vous connaissent comme Monsieur Fourmi, le spécialiste mondial des fourmis. Vous êtes professeur ici à l'Université de Lausanne. J'aimerais vous demander comment est-ce que vous avez croisé le chemin de Jacques Dubochet? Parce que finalement, cryomicroscopie et fourmis, on ne voit pas tout à fait le lien. Quand je suis arrivé à Lausanne, on m'a mis dans le sous-sol, en fait, du Biofort. Puis c'est là qu'il y avait Jacques, en fait. Donc on était les deux, les membres du sous-sol, là, dans la partie souterraine un peu. Et c'est comme ça qu'on a interagi en se croisant. Et puis, a priori, on est à l'opposé. Moi, j'étais dans le département d'écologie et d'évolution. Donc nous, on réalise l'organisme en gros, lui regarde en détail. Mais c'est quelqu'un de très ouvert d'esprit, donc on parlait de tout et de rien. Vous l'avez connu quand il faisait encore ses recherches comme professeur ou bien au moment de la retraite? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la retraite? Alors, moi, je l'ai connu avant, en fait. Moi, j'étais grand-père professeur. En fait, je pense qu'il a aidé aussi. Parce que moi, quand j'ai postulé pour venir professeur, on avait postulé pour un poste en commun, ce qui n'était pas très bien vu avec mon collègue Nicolas Perrin, deux hommes qui postulent pour partager un poste. Et je crois maintenant me souvenir que Jacques était une des personnes ouvertes qui était favorable à cette entreprise. Donc il était actif, après il est venu président de la section de biologie où il a beaucoup aussi fait avancer les choses. Puis après, c'est vrai qu'un jour il est venu à la retraite, puis en fait son laboratoire se fermait parce que l'université en fait avait donné la physique, la chimie à l'EPFL, ne voulait pas regarder dans les sciences. Ils ont aussi offert le laboratoire à l'EPFL, mais l'EPFL n'était pas très intéressé à ce moment-là. C'est pour ça qu'ils en parlent. Des fois, les choses changent. Donc, comme il n'avait plus d'endroit, il aime aussi bien faire la sieste que moi. Il n'avait plus d'endroit où faire la sieste. J'ai dit, mais viens chez nous, Jacques. Viens dans le département. C'est pour ça maintenant qu'il fait partie de notre département, parce qu'on l'a accueilli, parce qu'il fallait trouver un endroit. Et... Vous avez accueilli un SDF? C'est un SDF, oui. Mais... On a beaucoup bénéficié, pas maintenant, hein, avant. En fait, c'est toujours un modèle, Jacques, pour... En fait, son enthousiasme, il vient au séminaire, quand il était à la retraite, il a recommencé à suivre les cours avec son petit calepin, poser des questions. C'est vraiment un modèle pour tout le monde. C'est un modèle pour moi, c'est un modèle pour tous les scientifiques, en fait, indépendamment du Nobel. Il a suivi vos cours? Non, pas les miens, parce que c'était peut-être pas assez intéressant, mais celui du collègue Nicolas Perrin, avec qui je partageais le poste, il a suivi les cours, et après il venait nous poser des questions des fois dessus, mais c'était un étudiant très acharné, en fait. Mais qui montre vraiment son ouverture d'esprit et la volonté de connaître d'autres choses. Alors maintenant qu'il a reçu le prix Nobel, vous pensez qu'il va être votre colocataire au Biofort jusqu'à l'éternité? Ben ça, je ne sais pas, parce qu'avant, chaque année, il venait vers moi et me disait « Ah, je suis reconnaissante qu'on soit et que je puisse être chez vous, etc. » Puis quand il a reçu le prix Nobel, moi, j'étais très ému. Puis j'ai dit « Mais la seule chose qui me chagrine, c'est que maintenant, on ne pourra plus te mettre à la porte, Jacques. » Mais aussi, l'université, il doit faire un plus grand bureau. Et c'est là qu'on voit Jacques, il a dit « Non, maintenant, je ne veux pas un plus grand bureau. Je reste où je suis avec les étudiants. » Et ça représente Jacques. C'est vrai, c'est magnifique. Vous restez avec les étudiants. Mais moi, c'est trop. Tous ces gens-là qui parlent tellement bien de moi, mais vous savez, ces trois qui viennent de parler, mais ils sont au moins aussi bien que moi. Et ça, il faut quand même... Il y a un problème avec ce prix Nobel. Parce que ça met... Mais ce soir, c'est spécial. On parle de vous ce soir. Oui, c'est ça. D'accord, je suis d'accord. Mais il faut quand même savoir que s'il y a une distorsion avec ça. Il y a un truc qui est génial, si tu nous as amené à Jacques, nous on a eu de la chance, moi j'ai eu de la chance, j'étais au sous-sol avec toi. Notre département, on a eu de la chance, t'es venu chez nous. Mais maintenant le prix Nobel, il y a quelque chose de bien, c'est que tu peux amener ta personnalité, ton enthousiasme à une échelle plus large. Et c'est ça qui est surtout génial, moi je trouve. Allez, on y va.
Béatrice Desvergne, vous êtes professeure de biologie à l'Université de Lausanne. Vous êtes aussi présidente de la commission égalité. Vous allez nous expliquer comment est-ce que Jacques s'est investi et a milité pour l'égalité homme-femme. Alors, j'ai un petit bout de papier. Là, en fait, j'ai fouillé dans mes archives parce que j'avais un souvenir quand même assez précis concernant ce problème d'égalité. Alors, ce que j'ai là, vous voyez, c'est une convocation hein, que Jacques, en tant que président de la section de biologie, nous a adressée. Donc, celle-là date du 10 octobre 2001. En fait, il a été président de section de 1999 à je ne sais plus quand. Et voilà, donc aux membres du bureau de section, donc pour savoir, les membres du bureau de section, c'était essentiellement tous les professeurs de biologie et puis quelques représentants du corps intermédiaire. Donc, aux membres du bureau de section d'Origny le 10 octobre 2001, « Mesdames, chers collègues, nous vous informons que notre prochaine séance du bureau de section, etc. » Alors, évidemment, vous pouvez vous dire, mais c'est extraordinaire, en 2001, sous la présidence de Jacques, il n'y avait que des femmes au bureau de section, donc que des femmes professeurs. Alors, il ne faut quand même pas exagérer le pouvoir de Jacques, hein, je pense que là, non, ce n'était pas vrai. Mais l'explication se trouve en fait dans les petites notes juste en bas de la page, hein, celle qu'on ne lit jamais, mais qui là est lue quand même de temps en temps, j'imagine. La présidence de la section de biologie adopte le féminin par défaut. Et voilà. Donc, tout est fait. Merveilleuse initiative, presque poétique, en s'adressant aux collaboratrices, toujours au féminin. Y a-t-il un autre exemple qui montre l'investissement de Jacques par rapport à cette thématique? Tout à fait. Je voudrais juste quand même finir une petite chose par rapport à ça, parce que je trouve que l'exemple en 2001, on est aujourd'hui en 2018, et on continue de se battre de façon assez... On doit être assez agressif pour arriver à faire comprendre que le langage épicène a sa place. Et là, Jacques, en fait, 18 ans en arrière, 17 ans en arrière, avait trouvé la solution. Pas de langage épicène, on met tout au féminin, et tout va aller... pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Beaucoup mieux. Donc, voilà. Alors, ça, c'était l'autre témoignage. Ben, c'est plutôt en tant que présidente de la commission d'égalité. Et Jacques a été, pendant de nombreuses années, un très fervent, pas un supporter, en fait, un acteur, hein, délégué à l'égalité pour des commissions de nomination professorale. Et donc, ça veut dire que pour chaque nomination d'un professeur, il y a une commission et l'université, pour essayer d'encourager, pour essayer de forcer un petit peu la main éventuellement à nommer des femmes professeurs, nomme toujours un délégué à l'égalité au sein de cette commission. Et donc, Jacques était un de ces délégués. Et dans le cadre de tout le travail du bureau de l'égalité, il y a une petite vidéo qui est faite, qui est accessible sur le site de ce service de l'égalité. Et lorsqu'on interroge Jacques pour savoir quels sont un petit peu ses constats et puis qu'est-ce qu'on peut espérer par rapport à l'égalité, alors là, il y a deux points forts de mon point de vue que j'ai retiré de cette interview. Hein. La première, c'est le travail des commissions. En fait, il y a, comme il le dit très clairement, deux désirs qui le plus souvent s'opposent. D'un côté, il faut, pour une commission, trouver la personne qui va remplir un créneau. Un créneau en enseignement et puis un créneau en recherche. Et le plus souvent, voilà, on va chercher la personne qui bouche ce trou. Et puis de l'autre côté, il y a le désir institutionnel. Et l'université a à cœur d'augmenter son nombre de professeurs femmes. Mais là, évidemment, c'est un petit peu différent parce que pour boucher un créneau, c'est des profils très spécifiques, il faut avoir beaucoup de candidats pour trouver la bonne personne, et comme il y a beaucoup moins de candidatures féminines, eh bien, il y a toujours beaucoup moins de chances en tant que femme d'être recrutée sur un créneau très spécifique. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qu'a fait Jacques ? Alors là, c'est son constat, et ce qu'il, je pense, enfin l'interprétation que j'en fais, c'est qu'il souhaite que l'institution soit encore plus... actrice dans ces commissions en disant, ben voilà, il ne faut pas proposer des créneaux trop fermés. Ça fait partie, c'est un des outils qu'on peut avoir pour essayer d'augmenter la proportion de femmes professeurs. Mais peut-être, Jacques, tu voudras en choisir un autre. Mais par contre, il y a un deuxième message quand même que je voudrais dire qui est beaucoup plus intéressant. J'essaye d'être très courte. C'est que le deuxième message qu'il dit dans cette vidéo,
c'est que maintenant qu'il est féru d'évolution, hein, il est très clair. Il dit l'égalité, c'est pas naturel. Il y a les mâles et les femelles, et dans l'évolution, il y a toujours eu des mâles et des femelles. Et donc l'égalité telle qu'on la conçoit aujourd'hui dans notre société, c'est une construction. C'est une construction parce qu'on se veut être une société humaniste. Donc, là, je me permets d'aller juste un petit peu plus loin. Si c'est une construction, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille dessus, il faut qu'on ait des plans, il faut qu'on ait des actions. Sinon, si on se contente de dire dans 3 générations, le problème sera résolu, eh bien, ça n'ira nulle part et Jacques sera très déçu. Donc, pour faire la suite, il faut que nous tous ici, on soit prêts à avoir des plans et surtout à agir en accord avec ces plans parce que pour l'instant, voilà, il y a encore un petit peu de chemin à faire. C'est très tout. Bien. Merci beaucoup. Bonne profession de foi. Pour terminer sur l'égalité homme-femme, j'aimerais que vous nous expliquiez, Jacques, vous aviez droit à 14 invités pour le prix Nobel, pour la cérémonie, le banquet. Comment est-ce que vous avez choisi? Est-ce que vous avez appliqué l'égalité homme-femme, la parité dans vos invités? Je ne pouvais pas le louper, celui-là. Et puis, on a quand même, on avait une délégation avec plus de femmes que d'hommes. Oui, je savais oui. bien. Alors voilà, vous avez appliqué la parité. Oui, on a été, il y a assez de très bonnes femmes. Moi, j'ai de la chance dans notre milieu politique d'avoir des gens magnifiques. Il y en a, ils ne sont pas très loin. Très bien, je vous remercie tous les quatre. Merci beaucoup. Et Jacques, vous restez avec moi. On arrive à la fin de la cérémonie. On vous libère nos invités. Vous pouvez rejoindre Merci votre beaucoup. Place. Vous savez que ce prix Nobel a créé une immense émotion à Lausanne, ici, à l'université. Un jour, vous vous êtes retrouvé devant le bâtiment du Beaufort avec cette immense banderole « Félicitations Jacques ». Quand est-ce que vous l'avez vue et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Vous voyez, je me sens tellement proche. Laurent Keller expliquait comment j'ai été accueilli, mais j'étais déjà là-bas. Chaque fois que je viens dans cette université, déjà avant le prix Nobel, ben, j'ai l'impression de... que les gens sont contents de me voir. C'est une drôle de chose. Ben là, en tout cas... Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, oh, là, ils font fort, alors. Mais c'était finalement la même chose. Voilà. Magnifique, en tout cas, magnifique banderole. Ce prix Nobel, c'est une première pour l'Université de Lausanne. On espère que ce ne sera pas le dernier prix Nobel. Ah, non. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes allés nous promener dans les couloirs de votre bâtiment, le Beaufort. On est allés interroger étudiants, assistants, professeurs, en leur posant la question, est-ce que ce prix va inspirer la relève, motiver tous ceux qui se lancent dans une carrière scientifique? Voici leur réponse. Alors, un prix Nobel à l'Université de Lausanne, je pense que déjà, c'est une bonne image pour l'université. Et du coup, il y a une petite fierté un peu là derrière de se dire, OK, on fait notre cursus dans une université qui a reçu un prix Nobel. C'est un exemple, entre guillemets, dans le sens que c'est quelqu'un qui fait ce qu'il aime, qui reste humble et puis qui est très sympathique et qui est très doué. Un prix Nobel à l'Université de Lausanne, je trouve ça assez inspirant. Enfin, c'est une petite fierté, même si on n'a pas participé à ces recherches. Je pense que ouais, ça va aider à soutenir la recherche fondamentale en mettant en avant le haut niveau. Ben moi, c'était mon prof parce que j'ai eu un cours avec lui. Mais c'est quelqu'un de très passionné, c'est quelqu'un de vraiment solaire. Et puis, il transmet des belles énergies, on va dire. Alors moi, j'adore Jacques Dubochet. Il venait en fait à tous les cours quand j'étais encore étudiante, en bachelor et en master. Il venait très souvent suivre des cours. Donc voilà, il y avait tout l'auditoire qui était composé de jeunes étudiants. Et il y avait toujours Monsieur Dubochet qui était tout devant et qui posait plein de questions. Parce qu'en fait, il adorait continuellement s'intéresser à ce qui se passait, être au courant des nouvelles technologies, des dernières choses qui se faisaient. Puis du coup, c'est quelqu'un qui se mettait
beaucoup à la page, quoi. Et c'est quelqu'un d'adorable, en fait. Enfin, c'est quelqu'un de vraiment très sympa à côtoyer. Il est de bonne humeur tout le temps. Il est... Non, c'est vraiment quelqu'un de chouette. C'est le professeur le plus humble de toute la faculté. Je ne le dis pas parce qu'il a pris Nobel maintenant. Et ça démontre aux étudiants qu'il n'y a pas besoin d'adopter le style « publish or perish », d'être, entre guillemets, une sorte de requin, une sorte de gorille avec un silverback le plus dominant pour être parmi les meilleurs. Et je suis toujours personnellement extrêmement fier de dire que mon voisin de bureau est un prix Nobel. C'est des cadeaux. Attends, mais... Elle va venir. Voilà, eh bien, j'en ai appris pas mal ce soir. Je pense que vous l'avez deviné, il n'y avait pas de script. Chacun a dit ce qu'il voulait dire. Et on arrive à la fin de cette cérémonie. Pas tout à fait. Ah bon? J'ai là quelque chose. C'est pas la vraie, wow. Mais c'est une bonne copie pour notre université. Voilà. Je vous ai dit que j'ai de la chance d'avoir une rectrice comme ça. Jacques, elle est magnifique. Au nom de l'université, merci. L'université, elle, veut aussi te faire quelques cadeaux, deux cadeaux. Il y en a un que tu connais déjà, et je pense qu'on va le voir à l'écran. Quand on a demandé à Jacques qu'est-ce qui lui ferait plaisir, il nous a dit une place pour parquer mon vélo. Ah, mais c'est vrai, là. Ah, la cousine. Pour la petite histoire, il faut peut-être que je vous dise qu'à l'Université de Californie à Berkeley, il y a des places de parc. Il y en a au moins 5, peut-être 6 ou 7. Et c'est marqué « Reserved for Nobel Prize Winners ». Donc, je vais le renvoyer à mes collègues à UC Berkeley, la photo de la place pour le vélo de M. Dubochet. Je me réjouis. Voilà, l'autre cadeau, c'est un cadeau auquel nous avons pas mal réfléchi. Et comme vous avez pu l'entendre, Jacques Dubochet est extrêmement intéressé à la problématique science et société en général. Et donc l'université a décidé de donner la possibilité au professeur Dubochet d'organiser 5 grandes conférences pendant 5 ans pour lesquelles il peut inviter la personne qu'il veut et le grand public et avoir 5 conférences vraiment de portée internationale à l'Université de Lausanne. Peut-être qu'il y en aura plus si ça marche bien. Mais on va commencer avec ces 5 conférences. Voilà, je vous remercie. Mais tu vois, là, il a été discuté avant si l'université était entrée assez dans la politique. Eh bien, ces conférences vont certainement permettre de faire une liaison entre la politique et la science. Ce seront des scientifiques de grande classe qui parleront de problèmes sociaux. J'ai déjà quelques idées. Je vous propose de venir vers moi pour clore cet événement. Nous allons jeter un petit coup d'œil à l'avenir. Nouria Hernandez, qu'est-ce que ce prix va changer pour l'Université de Lausanne ? Écoutez, je ne sais pas s'il a déjà changé des choses, parce qu'on a une augmentation d'étudiants absolument un peu catastrophique, dans le sens où il faut qu'on s'en occupe de ces étudiants. Mais je pense que ce prix Nobel est important pour les universités cantonales, il est important pour toutes les hautes écoles universitaires, il est important pour la Suisse.
Et je ne pense pas que ce soit le dernier à l'Université de Lausanne. Très bien. Mais ça et certainement pas en Suisse. Jacques Dubochet, Jacques, à quoi ressemble la vie après le Nobel? Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous êtes invité à faire des conférences dans le monde entier? Qu'allez-vous faire ces prochains mois? Alors, je n'irai pas faire des tas de voyages en avion. En gros, je vais tâcher d'être comme avant, mais avec une voix qui, ben, je ne vais pas m'empêcher de parler de ce que j'ai envie de dire. Et j'espère que je le dirai de telle manière que ça serve à quelque chose et que ce soit acceptable pour avancer quelque part. Vous avez ce magnifique projet de conférence. Vous avez aussi un autre projet auquel vous tenez beaucoup. Un livre. Oh oui, oh là là! J'ai toujours rêvé d'écrire un livre avec ma grande sagesse. Mais, voilà, alors j'ai pris beaucoup, beaucoup de notes, et depuis que je suis à la retraite particulièrement. La retraite du Nobel, en fait. Mais alors maintenant, c'est une nécessité de se dépêcher. Et là, il y a deux personnes qui m'aident, et puis disons, je suis bien porté et je ne peux pas faire autrement que d'avancer là-dedans. On verra ce que ça donne. Mesdames et messieurs, je vous propose d'applaudir une dernière fois Jacques Dubochet et Nuria Hernandez. Bravo Nuria, bravo Nuria. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus si nombreux ce soir. Merci de votre soutien, de votre enthousiasme. Merci à toute l'équipe qui a organisé cette soirée. J'aimerais vous remercier et dire vive la science, vive l'UNIL et excellente fin de soirée à tous. Merci beaucoup. Je donne ça à quelqu'un.